donc épisode 24. Ouais. Alors, dans l'épisode 23, nous avons un trou de mémoire. On a découvert les nouveaux quartiers de la guilde. Oscar chez toi. Stalingrad. Oh merde. Je me suis pas mute. Je me suis pas. Bah, bravo. Pardon. T'inquiète. Du coup, mais Galzra, c'est moi qui fais le résumé, alors tais-toi! Il a rien dit? Si, il a commencé à dire oui, on a découvert ça. Ah oui. Mais non, mais tais-toi! Bonk. Chutez-vous! C'était pour aider. Je sais. Calmez-vous. Du coup, on était. Oh, j'ai oublié les noms. Est-ce que tu peux mettre la carte, s'il te plaît, mon jeu? Bien sûr. J'ai tout oublié. Oui. Oh non, je me casse. Ah. Mais j'aime pas quand tu fais cette voix. Ça fait 8 milliards de fois que je te le dis. Trou du cul. C'est pas mon problème si t'aimes pas. Je m'entraîne. Ah d'accord, c'est pas mon problème. Bah ça va être le tien quand je vais te foutre à la porte. Oh. Petit patron. Eh ben, ce coup là meurt. Bah je m'en fous. Oh. Donc, ah oui, c'est ça. Ouais. À Stalingrad, notre quartier général, nous avons découvert les nouveaux locaux de Humber et Ulrich, qui en fait sont des salles riches, vu ce qu'ils ont acheté là, salles riches. On va faire un prêt. Mort aux riches. et on a choisi nos chambres et tout, enfin c'était super intéressant. Non. Et ensuite, ben, on a été envoyé en mission. On est censé aller à Servidas, à Concordia, pour envoyer une lettre qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, mais que j'ai très envie d'ouvrir. Mais ouais. Il faut pas. Et... Mais on a envie, mais il faut pas. C'est ça. Sur le chemin... Ah oui, il y a bateau, on là. En allant vers Liminone, on a trouvé une chouette qui, en fait, est... Le Love Interest. Brightall. Brightall, l'ancienne nounou de Stormice, voilà, c'est pour la petite anecdote. Qui avait l'air complètement conne, hein, complètement... c'était dégueulasse, elle mange des mulots. Elle se balance. Elle se recrache. En fait, c'est toujours mieux qu'elle mange des mulets. Ta gueule, elle n'a pas... Elle n'a plus l'air d'avoir toute sa tête et elle se prend pour une chouette alors que ben, ce n'est pas une chouette. Et puis, alors qu'on essayait de lui parler, qu'on voulait la ramener à Liminone pour lui faire rencontrer des gens qui éventuellement la connaissent, bah, c'est barré. Voilà, donc bah, on a continué. On a prévenu les gens de Liminone qu'il y avait Brighthall, dans le coin, quelque part, peut-être. Puis on a été à Port-en-Équin pour prendre le bateau. Sur mon bateau, le Delta Burke. Et l'équipage sont des cons, voilà. On a appris que le poulain du second avait été kidnappé par des pirates de Kitty Cutie qui en fait était la tante ou je sais pas quoi du poulain. Et que ce poulain en fait il était dans l'orphelinat de Colarsis puisque c'était celui qui avait été confié à... comment ils s'appellent les deux gros cons là Shimmer. À Fruit Shimmer et sa femme qu'on a envoyée en tôle. Parce que c'était les chefs des libérateurs rouges, voilà, con sur 20 chez. On ne l'a pas dit au capitaine parce que flemme et puis parce que le poulain il va peut-être enfin avoir une chance d'être heureux quelque part avec une bonne famille et pas sur les mers à être échangé comme une marchandise là. Bref, la capitaine est une pute, le second aussi, la tante aussi et on va arriver à New Apine, voilà. Okay. Techniquement, le coup du poulain, c'était en réalité plus pour éviter que la capitaine pirate sache qu'on sait et qu'elle essaye de le récupérer retrouver sa monnaie d'échange. Ouais, je sais. Mais bon, en gros, tout ce que j'ai retenu, moi, c'est que on est dans la merde, donc l'équipage est dans la merde, mais on est en mer, il n'y a pas de loi dans la mer. Donc, bah, Osef, voilà. Donc, voilà. Super intéressant. On peut rien faire, donc, bah, on fait rien. Écoute, c'est ce qu'on fait le mieux, apparemment. Ça n'a même pas commencé, je suis déjà en train de saltir. Merci, hein! Ah oui, il y avait autre chose aussi.
La grognasse de Dahlia, donc la capitaine là. Attends, je le prononce bien pour Golden. Dahlia, voilà. Nous a donné le journal de Bright Hall, comme de par hasard, avec une énigme de couille que je n'ai même pas cherché à résoudre parce que je suis une merde en énigme. Et apparemment, on devait avoir des infos là-dessus au début de cette session. Ouais, justement, j'y viendrai. Et Dahlia et son frère, là, qui n'a plus son poulain, ce sont les descendants des enfants adoptifs de Griff. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Attends. Oui, non, mais plus ou moins, c'est de la famille, quoi. C'est pas de la famille, c'est les descendants de Vulcan, mais ils ont été... Ah oui, les descendants de Vulcan, c'est ça. Mais les descendants de Vulcan ont connu... les ancêtres de Vulcan, donc les enfants de Vulcan, ont été élevés plus ou moins par Griff. Par Bright Hall et pas mal par Griff. Ouais, bah écoute, de toute façon, ils veulent même pas rencontrer Vulcan, alors... Genre on leur dit, mais ils sont vivants vos ancêtres. Oh bah on s'en fout. Ah d'accord, bon bah ça... Ils ont pas dit c'est on cool, s'en fout, non, anyway. Ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même un peu dit on s'en fout. Hein. Ils ont pas dit on s'en fout. Mais ils l'ont pensé cool. Très fort. Mais non. Je serais ravi de les croiser. Bah c'est pas ce qu'elle a dit, hein, excuse-moi. Hein. Moi ce que j'ai compris c'est Osef, voilà. Bref, si quelqu'un a quelque chose à rajouter... Je voulais rajouter un truc par rapport à une énigme. Je voulais dire les solutions. Bah on en parle après le résumé, justement. Si le résumé est terminé. Oui, mais justement j'ai d'autres choses, certaines choses à rajouter avant. Alors, déjà parce que deux joueurs ont réussi à résoudre l'énigme. Les joueurs, exceptionnellement, auront une carte aventure... Oh, le chien ! Auront une carte aventure supplémentaire et pourront en jouer une en plus également. Donc vous pourrez jouer deux cartes par personne cette session-ci. Et c'est maintenant que le chat décide de faire chier ! Bah oui. Comme d'habitude. Pour ce qui est de l'énigme, du coup, oui, effectivement, je vais laisser ceux qui l'ont résolu. Donc, voilà, je cherchais le mot. La première phrase était relativement. J'étais relativement. Non. Je le dis pas. T'as pas intérêt de dire simple parce que je viens de péter la gueule. Voilà. Désolé. Non. Ne dis rien. La première phrase. C'était pas la plus compliquée. Non, mais voilà. Fermez vos gueules. La première phrase à trouver, c'est ça que je voulais dire. La première phrase à trouver, c'était ne faites pas mal à la ville chouette, farceuse. Tu peux répéter, ça a coupé. Ne faites pas mal à la ville chouette farceuse. Alors attends, je vais l'écrire. Non mais je vais le reprononcer. Ne faites pas de mal à la ville chouette farceuse. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi ça a bugué pile à ce moment-là. Et la deuxième phrase à trouver était si je peux le faire, alors lui aussi, mais en mieux. Comment t'arrives à des phrases aussi longues avec aussi peu de mots? Il y a 39 lettres. Les deux font 39 lettres. Ok, bah c'était naze. Ah bah merci. Je suis désolé, mais ça m'énerve de parler. C'est juste que tu l'as pas, t'évites de dire que c'est naze parce que Ruru. Non, c'est de la merde de pas l'avoir trouvé. Je veux dire, de comme moi, je suis trop con pour réussir à trouver la logique. On va s'en remettre, t'inquiète, hein, on a d'autres qualités. Hein. Moi, je fais des bonnes piques, toi, les énigmes. Tu fais de bons... comment ça s'appelle tes pains, là? Voilà. De la bonne bouffe, bah voilà, chacun sa qualité. Même avec les phrases, je comprends toujours pas d'où tu trouves le machin, mais c'est pas important. Bah, on pourra t'expliquer après, si tu veux. Enfin... Galz, il m'avait expliqué une technique pour la première phrase. Pour la première, il y a une technique. Lucky a essayé de m'expliquer pour la deuxième. Je lui ai dit, Lucky, en fait, va te faire foutre. J'ai même pas compris son explication, donc je sais pas comment il a trouvé. Je cherchais le chat, je reviens. Oui, il mange le chat. Et pourtant,
Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tenté de réexpliquer derrière parce non, que je sais que c'est laisse mal. Tomber. Non, mais c'est genre, enfin, même moi, la solution, ça a été. Parce que tu te compliques, Gals, des fois, tu te compliques un peu trop la vie. C'est toi qui dis ça. Ouais, j'avoue. C'est l'hôpital qui se fout là. Chut. Bref. Mais pourquoi le jeu il me remet tout le temps par défaut sur la couche carte? Qu'est-ce que c'est que ce carabistou? J'en ai pas. Parce que c'est la carte. Mais non, mais à chaque fois il me met en couche carte alors que je me mets tout le temps en couche pion et un truc qui va pas. Ah là là. C'est toi la carte. T'as peut-être un raccourci. Bah pourtant j'ai désactivé les raccourcis. C'est la carte. Bah ils se sont peut-être réactivés. Est-ce que tu as mangé le chat? Non, ils sont toujours désactivés, j'ai vérifié. Et le chat, tu l'as mangé? Non. Non, il a désactivé avant. Le chat. Désactive le chat pour voir. Bref. Avant de vous faire aller sur Pine, je vais vous faire un petit résumé du reste du voyage. Mais on y avait été, je crois, puisqu'on avait revu le bel aubergiste, là. Ah non, mais c'était non. Avant. C'était avant, ça. Je confonds, pardon. Excusez-moi. Oh, je mangeais la zikmu. Alors, donc... Après ce petit conflit qu'il y a pu avoir entre le capitaine Rose et Bled Triumph, le reste de la journée a été plutôt basse en ambiance, forcément. Aussi bien partout, pour tout l'équipage que pour vous, je suppose. Est-ce que j'aurais pu tenter de chanter et danser pour remonter l'ambiance ? Eh bien, oui, puisque justement, tu n'es pas la seule à essayer de remonter un petit peu l'ambiance. Juste que pour le coup, la capitaine et son second ne participeront pas ce soir-là aux festivités. Mais progressivement, pour le long du voyage, l'ambiance redeviendra plus ou moins normale. Il y aura peut-être une tension entre vous et la capitaine, si vous la sentez moyen, du coup, maintenant. Enfin, une tension. C'est surtout vous qui aurez la tension. Elle serait plus désolée que vraiment mauvaise. Je vais manger un chat. Pense à le plumer avant. Mais tu peux toujours me faire un petit jet de performance si tu veux remonter le moral pour le premier soir. Oui. Pour une fois que ça sert, cette merde. Et là, je vais faire un fumble. Voilà. Et bah écoute, je me pète la gueule et ça fait rire les gens. Non, mais c'est... Et bah, c'est... GG. Ce qui est bien avec la performance, et que c'était surtout pour remonter le moral, c'est que ça a pas mal remonté le moral de tout le monde, finalement. Et ils t'ont un peu relevé et ils sont mis à danser avec toi alors que t'es complètement un peu sonné. C'est pas comme ça qu'on danse. Ouais, je commence à vouloir danser et chanter. J'aspire un truc dans l'air, je m'étouffe et je me vaute comme une sale merde. C'est ce que je dis, mais enfin, ce coup-là, c'est pas comme ça qu'on danse. Tu t'es coincé la patte dans le grillage, là. Et ce sera lui qui va te relever et qui va se remettre à danser. Ce coup-là, sous son meilleur jour devant le beau gosse, comme elle dit. Ce qui fera forcément quelques sourires à tout le monde qui participeront à quelques petites festivités. Silver, il fait le tempo, lui. En claquant des sabots, il fait le tempo. Un peu plus tard dans la soirée, ça se sera un petit peu plus calmé, mais le cœur aura été réchauffé un petit peu de tout le monde. Et ça sera plus le moment de raconter quelques petites histoires. Vous en avez déjà plus ou moins raconté vos aventures. Mais durant tout le voyage, en fait, il y a certaines aventures de... Je vais manger le chat. Oui, mais... Sans crier. Merci. Nous allons. Il me regarde jamais, mais non, me mange pas. Nous allons nous sustenter du cat. Il y aurait des histoires d'aventure assez récurrentes d'un certain personnage qui reviendra assez souvent. Mm-hmm. Et vous en avez déjà parlé dans la dernière session, mais c'était assez furtif. C'était un certain Grey Soul. Vous savez, le fameux fils adoptif de Griff. Mm-hmm.
Ça racontera qu'il aurait que donc du coup il était pas mal dans le marin à une période, mais préférait effectivement faire des missions sur Terre et était connu comme étant un mercenaire particulier, enfin qui fait du qui travaille en particulier, pas pour pour d'autres agences, et qu'il était assez réputé. Mmh. Mais qu'il aurait disparu du jour au lendemain. Il y a de cela maintenant plus de 40 ans. D'accord. Okay. Certains émettraient l'hypothèse que, qu'il aurait traîné dans des affaires suspicieuses. Et que il aurait été responsable du de l'enlèvement d'un enfant. L'enfant d'Amber et. Mais il y a pas que sur les enfants. Ah non, il y a 40 ans. Ah non, mais l'autre là, il y en a un autre, un gosse qui, oui. qui date de Mathusalem là. Oui. Justement à l'enfant d'une. Sandstorm Jasp. Mais j'ai voilà, plus les. Ah si. Là. Ouais. Je crois que c'est ça le nom. Sandstorm Jasp, c'est ce que vient de dire. Sandstorm Jasp. Qui était l'enfant d'un ambassadeur à Saddle Arabian. Mm-hmm. Un ambassadeur équestrien à Saddle Arabian. D'accord. Alors, ce ne sont que des suppositions. Bien évidemment, mais tout porte à croire parce qu'il a disparu à peu près dans les mêmes moments où il était recherché par là-bas, enfin où l'enfant a disparu et où il a disparu justement avec l'enfant. Ça coïncidait surtout que, d'après certains dires, il se dirigeait vers Saddle Arabian peu de temps avant les faits. Mais nul ne sait où il se trouve. Alors attends. Le gosse était le fils d'un ambassadeur. Oui. Équestrien en Séludite. Voilà. Chez les Saladel Arabian. Donc, si je récap, parce que j'ai pas complètement tout suivi, Gressol aurait enlevé Sandstorm Jasp, d'accord, en Séludite. Ouais. Ok. Et il était relié déjà à qui, Greysol? C'est cette partie-là que j'ai pas trop suivi. Greysol, c'était le fils adoptif de Griff. C'est écrit comment? Grey comme gris, okay. Et Soul comme Soul. Ok, j'y étais pas du tout. Moi, j'allais écrire Grays et Hall comme la chouette. Oui, voilà, je pensais que c'était ça aussi. Greysol, pas Greysol, du coup. Ça se dit comme ça, Greysol. Non. Soul. C'est... Non, mais Soul. C'est pas... S'il te plaît, dis-le en français comme ça. Oui, Greysoul. 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 Donc, Greysoul qui nous saoule. Âme griffe. Greysoul. La grise âme. C'est Greysoul. Grisou. Gripsou. Un Gripsou. C'était quoi? C'était un poney ou c'était un griffon? C'était un poney. C'est un poney quoi? Terrestre. Couleur? Grise, paraît-il. Après, ils vont pas te donner des détails parce qu'ils l'ont jamais vu non plus. C'est des légendes. Des histoires de bateaux. Après, quand il parlait de ses aventures, c'était beaucoup de mercenariat, bonne entente, bonne mission, beaucoup de bienveillance dans ses actes. Mmh. Genre, il aurait sauvé un village à lui tout seul d'une troupe de bandits il y a plusieurs décennies de cela. Ouais, mais il a enlevé un enfant. À part faire du pipeau, il raconte rien d'autre à son sujet. Bien, pas grand chose d'autre. Beaucoup de faits héroïques, effectivement. Pourquoi une personne pareille enlèverait un enfant?
enlever un enfant et tuer le père, qui plus est. Ça sent comme le coup, comme l'autre. Quel autre? Qui avait enlevé un enfant à un père abusif. Après, c'est écrit dans le truc que Najab se trempait dans des affaires d'esclavage, apparemment. Même donc, si peut-être sa meuf a démenti. À mon avis, sa meuf n'était pas au courant, vu comme c'est présenté. Et du coup, en fait, ce qui a pu se passer, c'est que il a essayé d'arrêter les trucs d'esclavage. L'autre, elle a essayé de... Ils se sont battus, ça a fini par tuer. Et du coup, le Gressol, il a pris le gamin parce qu'il s'est dit, je vais pas le laisser tout seul là, quoi. Je le laisse à la mer. S'il soupçonnait qu'il a trempé dans des affaires d'espionnage... Enfin, pas d'espionnage. Il y a des orphelinats aussi. D'esclavage. On s'appelle comment, la capitaine? J'avais oublié que j'avais marqué tout ça, tiens. Tu ne te souviens plus de tes propres notes? C'est quoi le nom de la capitaine, Ruru, s'il te plaît? Rose Terra. Merci. Je propose qu'on l'aide, elle se bat contre Dahlia. Rose Terra, c'est Dahlia. J'ai oublié le nom de l'autre et je pensais que c'était celle-là. Blade Triumph. Voilà, je propose qu'on aide Blade Triumph. Salope. La Blade Triumph. Salope. Les deux générations en génération. La haine envers Dahlia. Voilà. Et comment s'appelle la cousine pute? La cousine Triumph. Pute. Comment? Blade Triumph. Blade Triumph. Merci. Le triomphe de la lame. Voilà. Tout ça pour un rafio. Ouais. C'est pas un rafio, c'est un monument historique. Mais j'en branle, c'est qu'un navire. Là, c'est dans un musée. Ça valait pas, ça vaut pas le coup de faire autant de... Le rafio est juste une excuse, je pense. Oui, bien sûr, mais... Enfin bref, ça vaut pas le coup de faire autant de bruit pour ça, quoi. Enfin, bref. Red Pelang et le museum. Je prends les notes maintenant, hein. J'écris tout, vous êtes pas prêts. C'est bien. Oui, parce que je m'y retrouve pas à chaque fois, Ruru il est là. Oh là là, vous ratez tout. Ouais. Moi du coup, j'ai décidé de prendre un peu mieux les notes aussi de mon côté. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui 13 août, en début de matinée, en vous réveillant, vous voyez au loin les lumières de la ville. De Pine. On arrive à Pine. Vous arrivez donc, il se précipite à l'avant du bateau pour voir l'arrivée. Rappel, il fait nuit, mais voilà. On arrive en drift. Vous accosterez donc. Des Caraïbes. Vous accosterez donc sur le port de Pine. Pine. Mais Pine, c'est bien. C'est un wagon de Pine. Et surtout sa ville sœur, Nouvelle Pine. Mais elle n'existe plus. Mais oui, mais je sais, mais elle existait. Elle existait. C'est d'ailleurs devenu fort avec un, non? Hein? New Pine, c'est devenu... New Pine, de ce qu'on vous avait raconté, en fait, c'est devenu une division de Pornéquin et de Kitty Cutie. Ouais. Elle s'est divisée en deux villes. L'une souhaitant l'indépendance et la liberté, et l'autre juste se lier dans... Non, pas l'indépendance, surtout le pas de règles et l'anarchisme. Que... Bah, indépendance, quelque part. Bah, non. La liberté. Bah, si, quelque la part, liberté c'est de l'indépendance. De tuer. Non, il y a l'indépendance. Si. Bah, t'es indépendant en voulant être libre, en étant libre.
C'est une façon c'est une manière d'être indépendant aussi. Je rejoins Loupi, c'est de la merde. Bref. Nous arrivons à Pine. Vous arriverez donc à Pine où quand même le capitaine vous souhaitera une bonne continuation. Mmh. Merci. Ben, on va se revoir. Hein. À la prochaine. Bye bye. Et là, à l'autre, là, comment il s'appelle ? C'est Dieu. Ah putain, comment il. Mais t'as les noms, je te rappelle, dans Port en Écasse. Mais il y en a tellement de noms en fait, je les vois pas tous. Ah, de Duskai ? Voilà, Duskai. Duskai, il fera. Quand vous voulez pour la revanche du bras de fer. Oh bah, je pense bien que t'auras pu avoir le temps durant le voyage. Ah bah oui, mais enfin, justement, quand vous voulez pour la revanche, pour la prochaine fois. Voilà, pour les prochaines fois. D'ailleurs, fais un jet de force vite fait, comme ça on dit qui a gagné. Yes. Et ben moi, je ferai un bisou à Flûteur. Oh. Sur la joue. Oui. Oh. Mais Dieu, il dira ah ouais, recharge de revanche, il rigolera. Parce que t'auras gagné. Ah oui. Tu n'as pas triché cette fois. Évidemment. Comment ça, cette fois, j'ai jamais triché, moi. Toi, non. Moi, oui. Donc, du coup, vous arriverez à Pine. Quelle est votre première chose que vous y ferez là-bas? Bonne question. Et peut-être trouver une auberge. Ouais, trouver une auberge et puis amener la lettre. Parce que si on amène la lettre et après on se perd et on sait pas où. Mais la lettre, c'est à... La lettre. C'est à oui, non, c'est ça que je veux dire. C'est genre d'abord une auberge ici avant de partir pour amener la lettre. Ah oui, et éventuellement demander un chemin. Le chemin plus sûr pour aller à Concordia ou un truc comme ça. J'aurais le chemin. Je suis le plus sûr, quelques petits tips, peut-être une carte un peu plus détaillée de la région. J'aurais limite même dit engager un guide, mais après ça va nous coûter cher. Ah, c'est pas con ça, un guide. On fait pas de différence. Oui, un guide, ça serait pas mal, effectivement. Vous voyez bien la map ? Oui, ouais. Oui. Elle est bien. Bah, j'ai même pas mis d'éclairage dynamique, tant pis. Ah, puis ouais. Si on croise des cerfs, Silver, il va regarder autour de lui tout ça. Ah bah il y a que ça. On est au pays des cerfs, je te rappelle. Il y a des cerfs partout. C'est normal. Ah oui, mais enfin c'est. Ah voilà quoi. Bonjour. Voilà quoi. Bonjour. Bonjour voyageur. Oh non, pas une phrase comme ça. Elle est magnifique. Quelque chose. On a perdu Loupi. Vous avez vu mes fleurs? Non, mais ce coup-là qui reste dehors. Ah oui. Bah oui, je prends l'air. En plus, il fait nuit, non? C'est bien, du coup, je peux tenir la porte. Merci, papé. De rien. Hola. Ah, que pour vous... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous connaissez la loge de la Non, d'abord une chambre. Oula, vous auriez des chambres pour la nuit? Mais vous venez d'arriver dès le matin. Ah, c'est le matin. Oui, je vous l'ai dit, vous écoutez pas. Vous écoutez jamais ce que j'ai dit de toute façon. Parce que c'est pas intéressant. Allez, boum. Il faut bien récupérer aussi une chambre avant, la louer avant. Bah oui. Non. Bah, un petit repas, déjà. Petit repas. Petit repas, et puis peut-être des informations sur la ville. Ouais, ouais. Ouais, aussi. Racontez-nous ce qui se passe. Ouais. Bah, déjà, installez-vous, je vais vous apporter les spécialités de la maison. D'accord. Aussi, je vois une table là-bas.
Vous venez? Oui. Ouais. Vous êtes quand même un peu zioté par les autres serres, mais pas plus que ça, c'est pas une, ils ont l'habitude de voir d'autres... Bah, moi, à table des invités qu'on veut pas. Je leur fais ouais. Coucou. Voilà. Ils te feront généralement un hochement de tête. De c'est tierce. Normal, je suis bonne. Ouais. Ouais. Oui, un peu plus tard viendra se poser des assiettes devant vous à l'aide de lianes. Oh! Ah! Elle sent. Je lancerai un. Je regarderai d'où viennent les lianes. De la petite biche là-bas. Hmm. Avec une petite feuille sous chaque assiette, genre avec marqué bon appétit. Hein? Oh! Je lui lancerai un regard très gentil et je hocherai la tête en disant merci beaucoup. Ah bah. Elle vous merci. Sourira et puis hochera la tête également. Merci. C'est quoi dans l'assiette? J'allais te poser la même question. Une spécialité de serre que je ne sais pas que. Voilà, c'est de la nourriture. Salope. Moi, j'ai jamais vu cette nourriture. Je sais pas ce que. C'est un... Un Kouign-Amann ! Non, un Kig à farce, mais sans Kig. Juste de la farce. Aucun intérêt. Du pot-au-feu. Une bonne raclette dès le départ. Non, c'est plus des choux, des carottes, un pot-au-feu finalement. Mm-hmm. Sans la viande. Eh bah, ben... Avec à côté un petit gâteau, un phare comme. Ruru. Oui. Je veux du flan. Putain. Du flan aussi maintenant. Ça fait 3 semaines, j'ai toujours pas eu mon flan. Ça fait plus que ça. Moi j'ai eu mes Kinder. Mais ta gueule. Bref. C'est pas gentil. Mais c'est bon. Toi non plus t'es pas gentil à me faire envie là. Crocaille. Ah, il est bon le ragoût. C'est pas du ragoût, c'est du pot-au-feu, on t'a dit. Ça ressemble à un ragoût. C'est du pot-au-feu. C'est toi le ragoût. Mais c'est Silver qui disait mais... Silver. Ça ressemble à du ragoût. Oui, mais c'est du pot-au-feu. Bah oui. Il faut appeler les plats comme ils s'appellent. Raciste. C'est ça. Eh ben c'est bon le pot-au-feu. Voilà. Il le fait exprès, il veut qu'on se fasse jeter. Il s'appelle ça le pot aux flammes, voilà. C'est mauvais. Les potes aux flammes. Ben le pot aux flammes, c'est bon. Voilà. Ou le pot aux feuilles, ça sonne bien. Ah ouais, le pot aux feuilles, putain, c'est... Mmh. Oh, c'est ringard à mort, j'adore. Comme si tu disais qu'une épée c'était comme une rapière. Bah, une rapière c'est un type d'épée. Et bah voilà. Non, c'est comme si on disait que ton fauchon là c'était une rapière. Techniquement c'est la même chose, c'est une arme, c'est une épée. Oui, bon, d'accord, ok. C'est pas la même chose, mais bon, ça ressemble quand même, non? Ouais, bah un fauchon ça ressemble à une rapière. Ouais, ça coupe. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais pas me fâcher. Ouais, c'est pour te montrer que... C'est pour te montrer que tu as tort, comme d'habitude, et qu'on a raison, comme d'habitude. Et que ça peut être un peu vexant pour la cuisinière. Voilà. Mais c'est pas... Je voulais pas être vexant pour la cuisinière. Il faut appeler les choses comme elles sont. Bon, d'accord. Bah, c'est pas très grave, hein, non plus. Oui, c'est pas... Il retourne à manger pour clore la discussion. Et est-ce qu'il engloutit son plat ou pas du tout?
Non, il fait attention parce que Skoula va l'énerver, va s'énerver sinon. De temps en temps, il jette un œil en mode ça va, je mange pas trop vite. Et du coup, elle hoche la tête en mode c'est bien. C'est bien, Silver. Elle le dit pas, mais tu peux l'entendre dans ta tête. Et le hochement de tête approbateur, attends. Il faut que je le trouve. Il manque plus qu'un petit pat-pat sur le crâne très. Comment ça s'appelle Méprisant. Non, pas méprisant, mais c'est dans le même type. Attends. Médisant. Non. Voilà. J'imagine ce coup-là en train de faire comme ça pendant qu'elle regarde à Silver. Le petit sourire et le hochement de tête en mode c'est bien. Je trouve pas mon mot, ça m'énerve. Tant pis. C'est pas grave, c'est lui qui te trouvera. Le chien. Garde bien les yeux ouverts. Il peut être partout maintenant. Oui. Comment il s'appelle le con maintenant? Là, j'en suis où moi? Pardon. Excusez-moi. Quel con? Oh bah y en a tellement. Le connard qui veut ressusciter les morts là. Ah c'est lui. Purple Sunset. J'ai écrit en titre, j'ai écrit affaire du con. C'est bien ça. L'affaire du con. Affaire du connard. C'est le connard. Connard prof de magie qui veut ressusciter les morts. Salaud. Salaud. C'est trop. On en a gros. Du coup, une fois qu'on a terminé de manger, mis à part s'il se passe quelque chose durant le repas, genre un cerf qui nous regarde un peu trop mal ou. Oh non, tout. Non. Ils s'occupent tous de leurs petites affaires, c'est tout. D'accord. Bah dans ce cas-là, une fois qu'on a tous terminé de manger, Fizzle va récupérer l'assiette, va récupérer les assiettes de tout le monde une fois que tout le monde aura terminé de manger. Tac. Il va les lui ramener. Ah bah c'est gentil, mais je m'en serais occupé. Hein non, c'est rien. Et tenez aussi pour le repas. Enfin, du coup, elle va la payer. Oui, oui. Merci. Alors, vous venez d'où comme ça? Bah, des Castrea, du coup, je me doute bien. Mm-hmm. Vous auriez... est-ce que vous connaîtriez un guide qui pourrait nous aider à traverser le pays? Enfin, on doit aller à la capitale. Il y a un cerf à côté qui commence à se rapprocher. Et la tavernière qui le regarde mal, c'est... qui lui... Anguillon, non. Tu vas pas encore essayer de gratter. Des guides... Gratter derrière l'oreille. Des guides, vous en trouverez à... vous en trouverez à la passe du marchand. En soi, le chemin n'est pas trop dangereux jusqu'à là-bas. D'accord. C'est tant qu'on ne rentre pas dans les forêts luxuriantes, il n'y a pas trop de problèmes. Les forêts luxuriantes? Oui, la forêt luxuriante, c'est toute celle qui couvre, qui est autour de Concordia. Mm-hmm. Non. Ouais, elle est si dangereuse que ça. Ah bah... Quand on fait pas attention, on peut se faire surprendre par la végétation ou même par quelques mantisses. Ouf. Ou pire, mais j'ai pas d'idée pour le coup. Des raflesia. Il y a des ombres en ces temps de nuit. Oui, il pourrait y avoir des ombres aussi, effectivement. Pire. Mais d'ailleurs, ouais, les ombres, Oh putain. Des d'ailleurs, ombres ouais, raflesia. Les ombres. Bon, laisse poser la question à Lucky.
Les ombres, elles sont partout dans... Elles sont en écossais. Partout dans le monde. D'accord. D'ailleurs, ça ressemble à quoi une mantis ? J'en ai jamais vu. Ah, c'est comme une sorte de... Vous voyez une mante religieuse ? Oui. Vous prenez un poney, vous prenez une mante religieuse, vous les mettez dans une boîte, vous secouez la boîte et voilà ce qu'en ressort. Une mantis, en plus grand. Un poney qui a été bouffé par des mantes religieuses. Vous voyez votre camarade là, à peu près la taille ? Oui. C'est un peu plus grand. D'accord. Je crois. Je regarde. Ah oui, c'est plus grand que Silver. D'accord. Qu'on a d'être rendu anti-moustique. J'ai pas eu le temps de voir. Non, mais c'est parce que t'as pas vu. C'est parce que j'ai pas mis. Si on... D'en rencontrer, vous savez de quoi ils ont peur que... On sait jamais. Hein. Si vous jamais vous en rencontrez... Fuyez. Bah oui, courez en fait. Courez ou priez pour qu'il y en ait une deuxième. Pourquoi ça ? Ah bah c'est la saison des amours, donc du coup, c'est un autre mâle, ils vont se taper dessus. Si c'est une autre femelle... si celle que vous avez vue c'est un mâle et que c'est un autre mâle qui arrive, ils vont se taper dessus. Si c'est une femelle qui arrive alors que c'est un mâle qui vous pourchasse, il va s'occuper de la femelle. Par contre, si vous tombez sur une femelle, priez pour qu'un mâle arrive. Et si la deuxième qui arrive c'est une femelle, courez plus vite. D'accord. Mais bon, c'est pas forcément évident de savoir si c'est un mâle ou une femelle. On va lui déborder. C'est sûr que ça va être dur de demander. D'accord. Bon, après, c'est pas les seuls dangers. Il y a aussi quelques Timberwolves, un peu comme chez vous, mais ils sont un peu plus gros ici. Ah. Bon, le feu, c'est toujours aussi efficace contre eux. Ah oui. Attendez, est-ce qu'ils disent non ? Évitez quand même de brûler nos forêts. Oui, on est efficace. Et pas cher. Et attention aux serpents. Aux serpents ? Et aux serpents, aux cocatrices, aux rocs. Ouais, okay. En gros, vos forêts, c'est de la merde, quoi. Aux ours, aux plantes carnivores géantes. En fait, là, il y avait Fizzel qui commençait à noter un peu les dangers sur un bout de son carnet. Vous et puis là, vous avez du papier. On pousse le temps un rouleau de papier toilette pour noter sur tout le long de la longueur, vu tous les dangers qu'il doit y avoir. Non, ouais. Ouais, donc je. Du coup, à la place des marchands, d'accord. Après, si Angelon veut bien vous accompagner, il n'y a pas de problème. Gratuitement, Angelon. Ouais. Ok. Non, ça va, ça ira. Je pourrais avoir une petite explication en regardant les deux. Angelon a l'initiative de toujours vouloir gagner un petit peu d'argent en accompagnant les voyageurs jusqu'à la passe des marchands, alors que la route est extrêmement sûre. Ah. C'est après, entre la passe des marchands et de Concordia, que ça commence à se corser. C'est là-bas que tu devrais faire des escortes. Ouais, mais bon... Dangereux, vous imaginez s'il y a du danger. Il ne faut pas confondre vitesse. Vous imaginez, si jamais je me mets en danger. Le type. Eh ben. Merci en tout cas de vos précieuses informations. Mais bon, après, tu peux toujours, au lieu d'être un guide, être une escorte. Genre garde du corps. Être payé pour être garde du corps. Ouais, bon. Donc, voilà. Fait mal. Mon brushing, vous avez pensé à mon brushing?
Ah, et d'ailleurs, calme poli je suis, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Fizeux. Et vous? Tamara. Moi, c'est Ageratina. Enchanté. Et vous, c'est... Non, que j'ai oublié, déjà, parce que je n'ai pas retenu. Angelon. Angelon. Amara. Non, c'est pas Amara. Putain, qui c'est qui m'a dit Amara? Ageratina. Ageratina, voilà. Oh, les noms de merde. J'avoue. Enchanté. Surtout qu'en plus, si c'est des noms composés, mon dieu. Oui, oui, mais je me suis pas amusé à tous les nommer. Oh, merde. Oh là là. J'ai voulu, je me suis dit la merde. J'en avais 30 à nommer, c'est fuck you. Quoi? En fait, les noms des serfs, en fait, leur nom complet, enfin, leurs noms qui sont affichés, ce sont des abréviations de leur nom complet. Chaque lettre représente un de leurs prénoms. Oh putain de merde. Je vends des trucs de fleurs ou autre. Oh là là. Et pourquoi tant de complications? Et pourquoi pas? Parce que c'est des serres, parce que c'est reine. Enchanté de faire votre connaissance et merci de nous avoir accueillis dans votre... auberge. Bah, c'est tout naturel. Combien de temps d'ailleurs de voyage pour aller jusqu'à la passe des marchands habituellement? Alors la passe des marchands, si vous suivez la route, vous devriez en avoir pour 3 jours maximum. Si vous partez maintenant, vous devrez arriver dans l'après-midi du 3e jour, si vous marchez bien. Contournant légèrement les montagnes. D'accord, bah... Merci encore. En soi, c'est pas compliqué, il suffit juste de suivre le fleuve. Il y aura un petit fleuve qui est pas sur la carte, mais il y a un fleuve. D'accord. Bah... Merci encore. Bah, ça va, arrête de la remercier dès qu'elle te dit un truc. Merci de votre remerciement. Oh là là, c'est son taf en plus. Hein. N'empêche pas d'être poli, mais là c'est trop. Non, là c'est trop, là c'est bon. On a compris. Merci, de rien. Oh bah merci de votre de rien. Bah de rien de votre merci. Merci d'avoir pensé de me remercier. Pas de quoi, c'est rien, y'a pas de quoi. Merci d'avoir pensé de me remercier. Merci de votre politesse. Oh là là, au secours. Hein. Bon. Du coup, j'ai demandé des informations à la. J'en ai profité pour demander des informations à la. À la gérante. Bon, mais du coup, vous aurez tout entendu, vous le répétera. Et merci. Merci de t'avoir fait ça, Fizzle. Ouais. Tu as pensé à la remercier pour les infos. Et boude. Non mais c'est les joueurs qui ont dit d'arrêter de dire merci. Donc elle boude les joueurs, la fizzle. Ouais, elle boude vous. Il n'a rien fait, Silver. Eh ben, elle boude quand même. Il était là. Voilà. Il était là, c'est déjà tout. Tu étais présent et justement, tu n'as rien fait pour empêcher ça. Oh bah, technique des profs qui punissent tout le monde alors qu'il y a qu'une personne qui fait une connerie. Ouais. On y va du coup. Après avoir acheté quelques provisions, tout ça. Ressources, ouais. Un peu de nourriture, un peu plus de.
J'allais dire de lampe à huile, mais oui. Lampe à huile. De lampe à huile. De huile pour lampe. Pendant que Fizel aurait été discuter, machin, moi j'aurais fait le tour de la taverne pour savoir si elle les intéressait d'entendre parler de la Luz de la Muerte. J'aurais été avec toi vu que maintenant je le fais aussi. Ouais, mais t'as pas mis ton crâne. Ouais, mais c'est pas ma faute. Bah si. Non. Bah si, regarde, toi, il est là. Plein de tours. Je sais pas de quoi tu parles. mais quelle mauvaise foi, j'en peux plus. T'as une preuve, vidéo ? Bah oui. Et du coup, Ruru ? Donc, globalement, ils auraient écouté l'histoire. Il y en aura quand même qui... Enfin, ceux qui étaient sur la table, les deux là, t'aurais dit, c'est bien sympa, mais on n'est pas intéressé par écouter l'histoire. On aimerait être tranquille, désolé, madame. Ah oui, bah s'ils ont dit ça, j'ai pas insisté. Hein. J'ai été parler à ceux près de la cheminée, du coup. Et elles qui t'écouteront avec attention... Un peu curieuse de cette histoire. J'en avais pas entendu parler. J'avais pas entendu de ce genre d'histoire depuis. Enfin, je n'ai jamais entendu de telles histoires. C'est intéressant. C'est divertissant. Bah, ça ne sont pas que des histoires. Hein. Oui. Il s'est passé des trucs de fou depuis qu'elle me raconte ça. Moi, je suis convaincu. Vous pourriez l'être aussi. En achetant ce programme en 5 étapes. Non. Ça y est, t'avais des témoins de Jéhovah. Bah, on n'est pas comme ça. Hein. Pas des témoins de Jéhovah non plus, faut pas déconner. Oh, mais arrêtez. Eh, raconte juste. Bah, ils sont par deux et... Bon. Non. Quand on va le faire, c'est pas comme ça qu'on le fait. Hein. Ah bon? Non. Non, et puis par rapport aux témoins de Jéhovah, quand tu dis que t'as pas le temps, ils viennent pas on vient te faire chier. Bah, quand vous dites que vous avez pas le temps, on vient pas. Hein. C'est ça. Ils sont respectueux au moins. Bah, ce coup-là non plus, il revient pas. Mais. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, moi, témoin de Jéhovah, quand on dit qu'on a pas le temps, on revient pas. Moi, les témoins de Jéhovah, ils sont tout le temps à faire chier, en fait. Normal, on vient une semaine après semaine, c'est normal. C'est le seul moment où les gens sont chez eux, on va pas venir pendant qu'ils travaillent. Ah, purée. Suffit juste de dire qu'on veut plus qu'on vienne déranger, etc. Et après, on note et on vient plus. Comme les stop pubs. Bah oui, on a un sens, oui. Tu mets un stop témoin de Jéhovah. Stop témoin de Jéhovah. Ah non, mais non, on va mettre stop NJ et compagnie là sur notre porte, c'est bon. Ah yes. Stop NG. Offre à la con de merde dont on s'en fout. Stop démarcheur. Ouais, voilà. Vas-y, go mettre ça sur la porte. Un stop démarche, yes. C'est bien. Bref. Continue. On a un concept là. Je pense qu'on peut poster un brevet et se faire des couilles en orgel. J'en doute. Bah si, vous avez des étiquettes stop des marcheurs. Ah, on a perdu quelque. Ah, mamie qui s'est endormie sûrement. Sûrement. Du coup, vous allez prendre la route, I suppose. Oui. Bah, oui. On peut pas faire un tour de la ville, voir un peu ce qu'il y a. Vous pouvez aussi. Mais grosso merdo, c'est le port, c'est vraiment portuaire. Je veux pas le port. Je veux le laisser passer à 38. Bah du coup, s'il y a rien de plus à faire, oui, on va y aller. On pense que c'est surtout à la passe des marchands que se passe le plus gros de... Oui, bon, on a compris. Le scénar est par là. Donc on va vers le scénar. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Ben ouais, on y va. Allons-y. Voilà. Après avoir acheté un peu de nourriture, un peu de quelques rations. Carte de la zone. Alors, c'est bien les cordes. C'est bien ton éclairage dynamique, mais genre je vois plus rien.
Ah ouais, non mais c'est bien parce que je modifie pour une carte et ça modifie partout. Mmh. On dirait. Là, vous échangez de map, vous voyez ? Non. Attends, faut mettre une lampe. Quand tu mets une lanterne, ça passe. C'est bizarre que vous voyez à peine. Vous voyez pas du tout, même pas un petit peu. Non. Ah, maintenant. J'ai mis une lampe. En zoomant à fond, on voit, mais. Et il faut une lampe. Non, 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 moi je vois. Vous avez juste une sombrité de votre PC tout pourri, voilà. Ah non, moi j'ai rien si je mets pas de lampe. Je vois des trucs, mais il faut quand même la lampe, quoi. Il fait sombre, quoi. Non. Je vois des trucs, moi. Mais pas... Eh, hey, mais ouvrez vos yeux, là. Dans la zone noire, on voit. Mais oui, je vois des trucs. Bah voilà, voilà c'est ce qu'on demande. Ah, maintenant, oui. Mais moi, c'est pas... je viens de comprendre. C'est parce que j'ai un éclair de lumière pile là. Et du coup, je voyais rien. Bah voilà. On voit. Laisse tomber, ils sont juste bêtes. Moi, je vois rien, mais c'est à cause de la luminosité de mon PC. Mais c'est pas grave. Mais moi, je disais que je voyais. Mais que c'était pénombre, quoi. Pas que techniquement, un PJ, il voit pas vraiment beaucoup, quoi. Non, mais c'est pas ce qu'on demandait. On demandait si tu voyais la carte, en fait. Donc, fallait juste dire oui. Pardon. Oui. Voilà. J'avais pas compris. Ouais, bah, on a bien compris que t'avais pas compris. Je crois que personne avait compris, sauf moi, parce que je suis la plus intelligente. Non. Je suis insupportable aujourd'hui. J'espère que vous êtes ravis. Non. C'est le meilleur moment de ma semaine, bien sûr que je suis content. Ah ouais, quand même. Ah non, mais enfin, genre, vous vous rendez pas compte, moi le RP, c'est les meilleurs moments de ma semaine. Hein, donc, Même si je suis infecte. Ah oui. Oh bah, je vais être encore plus infecte. Mais il fallait dire, non, tu n'es pas infecte, enfin, Lupina, qu'est-ce que tu racontes? Ah si, pas peine de faire le lèche-cul. Hein. Oh, et si on avançait? Oui, exactement. Jusqu'où? Hop, allez hop, Silver il passe en premier. Jusqu'au bout du monde. Alors n'avancez pas trop vite quand même. Oh. Et que nous arrive-t-il? Là, j'ai... Qu'est-ce qui nous arrive? Ça rame! Ça rame, voilà ce qui se passe! Voilà. Coupons cette lanterne, la censure. Elle avance ce coup-là? Ouais, j'avance. J'aurais bien aimé voir ça de Yur, hein. Ça doit être très beau. Bah, on verra bien à un moment donné. Sur leur tour, il y aura peut-être de nouveau le soleil. Il y a un doute. On sait pas. Oh, il drôle. Bah, avancez. Nous avançons à Mab. Quand c'est pas Grougal, c'est le gros. Mais ce coup-là, part pas de loin. Bah faudrait savoir, hein. Y'a celui trop en arrière, c'est pas bien. Y'a celui devant, c'est pas bien. Je vais vous demander un jet de perception. Il faut rester groupir. Bah on est groupé, là. Groupir. C'est toi le groupir. Non, moi c'est le grand-père. Pas pareil. Voilà, 11. J'ai un petit souci sur le chargement de ma fiche. Thank you. Yes. J'ai augmenté la luminosité de mon écran, comme ça j'y vois. T'es bien, Lucky! Alors, vous remarquerez tous. Ça va pas mieux. Qui se passera. En gros, pour ceux qui ont fait 4 ou plus, vous sentez qu'il y a quelque chose qui fonce à une allure folle. Vous arriverez à l'éviter. Sans trop de problèmes. En gros, il y a un tronc qui fonce pas très loin de vous et qui s'empale contre le mur ici. Voilà. Ceux qui ont fait une prouesse, donc 8 ou plus, vous entendez qu'il y a des traces, vous entendez des déplacements qui justement s'apprêtent à suivre plus ou moins ce tronc. Attends, mais moi je vais gueuler. Ah bah non, je les ai pas vus. Je sais pas qu'il y a quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et sortira une biche de des fourrés, pas mal amochée,
hop, ici. Oh non, je me casse. Et qui regarde dans cette direction, s'il te plaît. Ressemble, je vois rien. Attends, je zoome. C'est Eva. Qui regarde dans cette direction, qui a l'air d'être un peu essoufflé, assez amoché, et qui est sur ses gardes complètement. Tout va bien, madame ? Non, mais ça va pas bien ! Taisez-vous ! Et en plus, elle me donne des ordres, elle manque de nous tuer, et puis elle nous donne des ordres ! Elle a l'air attentive à l'environnement. Ce coup-là, je... Il y a peut-être des animaux dans les environs. Peut-être des mantis. Elle va allumer... Fizzle va se tenir prête pour ce qui peut arriver. J'ai de perception, je vous prie. Ça fait même pas 5 minutes qu'elle est là, elle me saoule déjà. Je vais mettre une délimitation, je sais plus où on en est. Alors là, c'est Fizzle qui a lancé le premier, c'est ça? Ouais. Il me manque un jet du coup. Il est pas parti. Je relance. Hydromel, t'es chiant. Bah oui. Vous entendrez au loin un bruit assez sourd, comme si on avait frappé très fort contre un arbre. Et vous verrez la biche en face qui... bordel, il a pas osé quand même. Et osé quoi ? Justement, pour ceux qui... Vous verrez, vous n'avez pas fait de prouesse, mais vous verrez au dernier moment, effectivement, qu'il y a comme... comment dire ? Dans cette zone-là. Super. Non, pas celle-là, pardon. Dans cette zone-là. Il y a des troncs similaires, mais un petit peu plus petits et pointus, qui foncent vers vous. Mais, grâce à votre jet de perception, vous remarquerez que il y a comme une sorte d'espace qui empêche, qui est là pour vous éviter. Sauf que la biche n'a pas l'air d'avoir compris ça et va directement faire un petit jet et foncer sur l'un d'entre vous pour vous sortir de la zone. Donc, à cause Silver, et elle est coincée sur place. À bon. Cause d'elle, on va se faire empaler. Putain, mais. Oh, vas-y. Non, justement, elle est pique. S'il te plaît. Quoi ? Laisse-moi rager. Ah, non, elle m'énerve. Justement, les piques, elles sont là pour nous éviter, donc on va pas se faire empaler. Bah, si elle nous pousse. T'as pas écouté ? J'ai dit sort de la zone. Elle foncera. Attends, cela dit, non, je me gourre. Vous voyez juste les pics vers vous. Ce sera au moment où ils tomberont que vous remarquerez que ils vous ont pas touché. Par contre, hop, fonce sur ce coup-là pour la sortir de la zone. Limite un peu en roulé boulé et fait tout pour qu'elle se fasse le moins mal possible. Pourquoi moi ? Pourquoi pas ? Voilà. T'étais la plus. En ce temps-là, entouré de pas mal de tronçons, de mini troncs de bois qui sont empalés contre le sol. Mais ça va pas la tête ! Justement, elle va se relever. Mais t'es complètement malade ! Bah ! Enfoiré ! Mais c'est quoi ce bordel ? Vous allez nous expliquer de suite ce qui se passe. Déjà, je crois pas. Mais vous voyez bien que je suis occupé, non ? Justement, non, on voit pas. En tout cas, pas bien. Est-ce que je peux faire un sort de lumière ? Tu peux. Mais... Flash bang dans la tronche de tout le monde. Au même moment de ta lumière, donc je te demande de faire ton jet et ensuite vous pourrez faire un jet de perception. Tu le fais où ? Moi, je le fais où ? Sur quoi ? Je le fais où ? Je le fais par là, là ? Par là, ouais. Là. Tu vas le faire sur moi ? Tu peux le faire sur toi ? Bah c'est ce que je veux faire, oui. Ok. Je me souviens plus de... Ah si. Donc ça va être...
Voilà. Et perception. Perception. Trois jets et trois bons jets. Nice. Et je vais lui en faire un. Il va m'arriver un malheur. Pour celui de Sylvain. Et je suis en c'est ma page de perso elle lag en fait aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Ouh, rafraîchis peut-être. Je ne sais pas, après c'est peut-être parce que je suis passé sur un écran plus grand. Non, ça change rien. Change rien. Donc tout le monde sauf Fizzle, du coup, vous verrez qu'il y a des petites lianes qui commencent à s'approcher sournoisement et discrètement au niveau du sol d'Eva. Enfin, d'Eva, de la biche, pardon. Oups. Non, t'inquiète, personne n'avait reconnu. Silver va tirer son fauchon et s'approcher des trucs pour les couper. En mode mademoiselle. Alors, je vais te demander... je vais demander un jet d'athlétisme pour Silver. Et moi, j'aimerais juste prévenir la grognasse, vu qu'elle m'a... Pardon, la dame, vu qu'elle m'a sauvé. Oh, attention, Liane ! Attention, mademoiselle, allais-je dire. Aussi. Athlétisme. Oui, on le dit un peu en même temps avec vous. Dans ce ok. Attention, c'est affreux. C'est terrible, c'est je dois affreux. Faire un autre jet par rapport à ça. Ok. Donc, ce qui va se passer, elle va se faire agripper par la liane et se retrouver la tête en bas et complètement ligotée entre guillemets. Oh. Silver, toi, tu pourras agir par-dessus en essayant de couper les lianes. Bah, je vais couper les lianes. Donc je t'en prie, tu vas me faire un jet de dégâts, juste de dégâts finalement. Bah, je balance juste un jet de mon fauchon. Quoique, ouais, tu balances le jet de fauchon, tu dois devoir essayer de toucher le fauchon effectivement, toucher la liane. Sachant que j'ai plus un parce que j'ai... c'est une arme fétiche. Ok, et tu fais les dégâts, sachant que c'est... considéré comme un objet animé, inanimé, c'est pas d'explosion sur les jets et pas de du dé sauvage, pas de dé sauvage, pas de dé de prouesse. 13. Bon, du coup elle tombera mais sera toujours ligotée. Aïe. Excusez-moi. Est-ce que je peux m'énerver? Tu peux. Alors du coup, déjà je vais la relever. Tu veux le son? Enfin je vais essayer. Commencer à la déligoter et puis je vais regarder par là et je vais faire qu'est-ce que je vais dire. Attends, je t'ai mis du son. Attends, je cherche un truc. Je vais faire un jet de provoque déjà. Uh-huh. Parce qu'il me casse les couilles. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est dans ces moments où je n'ai pas de répartie quand il en faut. Voilà. T'es pas bientôt fini, ce bordel. C'est pas gentil d'être méchant. Mais non, veut le provoquer, va lui dire « Ah là là, c'est pas bien, hein !» Ah, montrez-vous, je vais lui dire... d'enfoiré. Des dents trop de coups, elles sont passées où tes couilles pour te cacher comme ça quand tu attaques? Affronte-nous de face. Enfin. Surenchérira la biche. Ouais. Comme elle dit. Ouais, tout pareil. Oh putain, est-ce que je lance ton jet. Est-ce que j'ai un plus 1 pour son superbe... Ouais. Nul à chier. Ah oh, putain. Oh, donc prouesse moins 2. Attends. La prouesse, c'est... Non, c'est une prouesse... Ben, là, c'est un jet opposé. C'est une prouesse s'il fait 4. Mais ben non, c'est pas ça les prouesses. Une prouesse, c'est 4 au-dessus du seuil de réussite. Le seuil de réussite là étant. Moi je croyais que les prouesses c'était 8, hein. J'ai toujours compris. Bah, ça. C'est 8 quand il n'y a pas de jet opposé. Ah. On dirait. C'est comme là. La... Mais figure-toi que je vais faire un dessin comme ça, Oscar. On dirait quoi? Il va Il va Merde le dé.
Yes. Ah bah du coup c'est un fumble. Donc du coup oui c'est une prouesse ma chérie. Donc il a moins 2 à toutes ses actions contre moi. Voilà. Ok. Mais justement il va commencer à... Enfin, vous commencez à voir des... à entendre des buissons sortis... Enfin des bruits de pas qui s'approchent de vous doucement. Est-ce que le temps qu'il arrive je peux soigner la biche? Ouais. Bah tu peux. Ouais. Je me prépare à qu'est-ce qui va sortir des buissons, de terrible et d'affreux. Non, mais il est soigné. Tu soigneras totalement la biche qui te dira... Non, mais mêle-toi de ton cul, en fait. Et on dit merci quand on rend service, grognasse mais... Non, mais... Vous êtes sérieux, là? Non, mais je lui dis, hein. Je l'insulte, elle. Hein. Et après, je fixe lui, genre... Allez, viens dans la lumière, maintenant. Si tu veux, on te laisse, hein. T'es trop moche pour venir qu'on te voit, c'est ça? Et la biche qui dit, hey, quand même, vas-y, mollo. Tais-toi, toi! Dis mais merci à ma copine qui t'a soigné. Chut. Hey, montrez-vous. Il commence à... Le cerf commence à sourire doucement. Il s'approche, vraiment pas menaçant. Et bon, on met fin à l'entraînement ici, Eva? Ouais. Ça. Et elle est déligotée. Bah, je l'avais déjà déligotée. Ah oui, non mais c'est... oui, pardon. Elle s'était religotée parce qu'elle aimait bien ça. Salope. Elle se relève. Bon, merci quand même pour le soin et bon. Ça vous arrive souvent de vous battre au milieu de la route où il y a des gens qui passent et qui s'attendent à se faire attaquer après. Et de manquer les de nous tuer avec vos bâtons là. Ah, navré pour le dérangement, mais je faisais tout pour vous éviter, vous en faites pas. Je contrôle la situation. Ouais. Ça aurait pas été mieux d'arrêter l'entraînement quand vous avez vu qu'il y avait des voyageurs? Je sais pas. C'est ce qu'il vient de faire. Je voulais tester sa capacité à gérer, justement, en cas de protection de civils. Ouais, bah vous auriez fini tuer, pas... vous auriez eu l'air con. Hein. Ah, non, vous en faites pas, c'est contrôlé. Ouais, mais quand on vous a demandé ce qui se passait, je m'en regardais à elle. Vous auriez pu au moins dire que c'était juste un entraînement, ce serait moins ça. J'étais un petit peu sous l'adrénaline, madame. Bon, et ben on se casse. Ouais, par contre, je tiens à dire, monsieur, le truc du c'était géré, c'est ce qu'on dit toujours avant qu'il y ait un accident. Donc vous devriez réfléchir à deux fois avant que finalement quelqu'un se fasse tuer. Mais où? Navré du dérangement, monsieur, dame. Ouais. Attention à la prochaine fois. Bonne fin de journée, quoi. On sait jamais sur qui on peut tomber. En soi, il... Le cerf commençait à vérifier si tout allait bien, puis effectivement bien soigné. Puis reprenne direction, mais wow, dans la même direction que vous, pour le coup. Super. Moi, je les snob, voilà. Je sens le scénarium. Ça sent quelque chose. Le scénarium. Les oignons grillés. J'avais passé 2 jours. J'avais dit que c'était 3, donc du coup, il y aura un petit campement à faire. Oui. Ils feront un campement dans leur coin, voyant oui, que... Ils peuvent se brosser pour avoir de mon gratin de feuilles, hein. Ça, oui. Hein. Même pas capable de... Enfin, ils disent merci, mais... après qu'on leur fasse remarquer 4 fois, quoi. Non, ils vous ont remercié. Ça allait venir dans tous les cas. T'as des trous ouais, mais... Ouais, mais quand tu soignes quelqu'un, tu dis pas la première chose, c'est... mais de quoi je me mêle? Bah, elle était en plein entraînement, tu te mêles de tout ça. Bah... On s'est quasiment fait attaquer. Ouais, pour nous, c'était une attaque, hein. Bah oui. On voit une personne qui se fait attaquer, des ronces qui se mettent autour de nous, on aurait pu croire que c'était pour nous capturer. Hein. Ouais, ouais. C'est ça, ils allaient faire des choses dans nos corps. Non, mais ce serait encore un JDR où je n'aimerais pas Eva, en plus, en moins. Bah, Eva est moins la coupable que son maître d'armes, là, quand même. Oui, c'est vrai que son maître d'armes... Le coup du sous l'adrénaline. Chut, c'est la faute d'Eva. Mais aux toilettes, je reviens. Mm-hmm.
Ah. Du coup, on va faire un compteur toilette. Premier toilette de Ruru, 15h29. Ding. Notez-le. Même si elle a eu un avant la session. On peut faire. Avant la session, peut... ça compte pas. On peut faire un compteur. On peut faire un compteur Shakimao au moment le plus inopportun. Oh non, il y en aurait trop là. Je télécharger tous les épisodes et compter le nombre de fois où il y a le chat qui miaule. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Enfin, je t'en prie, télécharge les 24 épisodes et fais un montage de toutes les séances où il y a les chats qui miaulent. Une compilation de le chat. Le chat. C'est ça. Le truc en fait, c'est tu lances le compteur. Au départ, le compteur il commence à faire ding 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 et au fur et à mesure c'est ding 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 tellement c'était trop souvent. Je vais vous remettre sur la map en fait puisque vous ferez un petit campement. C'était pas la bonne map. Pas mauvaise map. Yop là. Je vous mets un petit feu de camp. Petite tente. Je vous le mets là comme ça. Je pense que ma lumière s'est éteinte. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, l'économie, c'est lui. Un bivouac. Oula, le feu, il est tellement loin. On met deux tentes pour 4, ça va? Non, mais on en avait 3, il me semble. Bah, on peut dormir à 2, non? Cela dit, deux tentes, ouais, ça suffit. Non, c'est la charrette que j'ai sortie. Si Fizzel et moi, on dort ensemble, et Silver, il a la grosse, et puis après, ça tourne voilà. Selon... selon les tours de garde, ouais, effectivement. Comme ça, on est moins encombré. Effectivement. Ok. Bon. À un moment, il y a le cerf qui va quand même s'approcher de vous, gentiment. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, de nouveau, du coup. Non, on n'a pas de sel. On n'a pas de sel. Ouais. Du poivre. Oui. Non, je voulais vous proposer de vous joindre à nous pour le repas. On a quelques petites spécialités sympathiques et ça serait aussi une bonne manière de nous faire pardonner un petit peu de ce contretemps. Mais qui nous dit que c'est pas empoisonné? Empoisonné, tu crois? Quand même, ce coup-là, je veux bien comprendre. Je comprends que tu sois pas contente contre eux, mais ils vont pas non plus nous empoisonner. Bah, on sait jamais. C'est votre première fois à Servidas, n'est-ce pas? Pourrais-vous raconter quelques mœurs du pays, tant qu'à faire? Déjà, tu pourrais commencer par nous dire ton nom. Bien évidemment. En plus, il me semble que je vous avais déjà aperçu à Equestria. Je m'appelle Evin Rude. Déjà vu Equestria, c'est-à-dire. Eh, mais il est rude, du coup. Je suis à la base mercenaire et je travaillais beaucoup pour un cerf qui voyageait à marché. Ah bon? Ah! C'était vous qu'on avait croisé à marché? Aperçu, en tout cas. Je me rappelle d'un cerf qu'on avait vu là-bas. Moi, je me rappelle pas. Même dit qu'il était beau gosse. Ah bon? Oui, ça je m'en souviens. Mais ils ont tous la même gueule, tes cerfs, ils ont des gueules de cerfs. Fallwin. C'était Fallwin. Sûrement.
Quand on avait été au marchand de spécialité de Servidas, oui. Lui, il était juste là en tant que garde du corps. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas souvenu. Ah oui, Flowin, il était mignon. Par contre, ses bois sont chelous. Et plus bizarrement, ouais. Enfin voilà, si ça vous intéresse, il y a de la place près de notre feu. D'accord, on va réfléchir. Bonne soirée. Silver, il va s'approcher de ce que là, il va dire ah, c'est bon, regarde, ils essaient de s'excuser en nous proposant à manger. Ouais, ouais, mais ils voulaient quand même avoir votre avis avant de décider ou quoi. Ouais. Ah bah, moi je suis plutôt d'accord, hein. Mais. Bon, allez, et puis s'ils sont méchants, on leur jettera du sable dans les yeux. Voilà. On dira que leur pas était mauvais. on mettra de la terre dans la salade. Voilà. Le plan machiavélique. Le plan machiavélique de ce coup-là, moi. On humidifiera le bois du feu. Pour faire de la fumée et ça pique. On piquera dans la soupe, non, c'est dégueulasse. Non, quand même pas. Oh. C'est cool, là, voyons. Oh là 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 là. Mon dieu. Ah ouais, dis pas ça. Enfin, dis pas le dernier en tout cas. Mais elle le pense. Peut-être. Après, on a nos affaires sur nous, quoi. Il y a juste les tentes qui sont sorties, quoi. Mm. Ouais, il vous laisse de la place. Et donc, il vous prépare justement. Donc, ravi de vous avoir, de vous voir près de notre feu. Et vous prépare une petite spécialité. Et j'ai pas d'idée de spécialité en soi, mais bon. Une wish Lorraine. Une wish Lorraine. Rollen. Oui, la wish Rollen, mais c'est pas d'ici la spécialité. C'était une spécialité de roller, tout ça, la Wish. J'ai envie de Wish maintenant. Yes. Je vous déteste. J'ai faim. J'ai faim maintenant. J'ai faim aussi. Ouais, moi j'ai pas mangé. Bah, moi non. Moi j'ai mangé, mais j'ai encore faim. Pareil. Bref, un très bon repas et plutôt copieux. J'ai faim. Ah, bah c'était très bon. Et la biche regardera juste Fizzle en disant bon, « Excuse-moi, j'ai un peu réagi à chaud tout à l'heure quand tu m'as soigné. » C'est très aimable de ta part, mais disons que je comptais me débrouiller seul pour le coup. Bon, enfin, on ne pouvait pas savoir que vous étiez en entraînement. Hein. Surtout au milieu de la route que tout le monde traverse. Si ça se trouve, d'autres gens auraient cru que vous les attaquiez et auraient pu vous tirer dessus par méfiance. Les gens du coin ont plus ou moins l'habitude. Oui, mais comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas vraiment du coin. Oui. Un accident, ça arrive quand on ne s'y attend pas. Non, c'est vrai que j'ai plutôt mal agi, effectivement, pour ce coup-là. Généralement, disons que les cerfs et les biches sont plus ou moins entraînés pour... on est plus ou moins tous entraînés pour savoir se défendre, donc... Effectivement, on n'est pas à l'abri effectivement de quelques visiteurs qui ne sont pas habitués à nos coutumes. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin ? Des affaires. Le travail. Du travail, très bien. Et vous ? Nous on rentrait juste à la maison. J'entraînais ma fille du coup un peu au combat. Oh non, il m'a arraché les mots de la bouche, j'ai failli dire vous êtes amoureux. Ça aurait été gênant. Je le voulais. Je pense, j'allais dire un truc dans ce genre là aussi en plus. Je vous présente ma fille, Eva. Tiens ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on a entendu ça. Enchantée. Eva la puta. Pardon.
Oh. Ah bah d'accord. Non, je fais ça. Très gentil. Bon, j'arrête. Donc oui, on s'apprêtait à rentrer à la passe des marchands chez nous. Vous y habitez ? Oui. Ben, on y va aussi pour trouver un guide. Eh bien, je pourrais me proposer ou... Et puis là, il y a la biche qui regarde. On vous a même pas dit où est-ce qu'on allait. Bah, on connaît un petit peu tout le pays, donc on sait jamais. Mm-hmm. Et puis je suppose que... De toute façon, il n'y a pas 10 000, lieux où aller. Si vous cherchez un guide à la place des marchands, c'est que vous allez soit à Concordia, soit dans l'autre ville, ou soit que vous allez chercher à aller à la Nation des Reines. Ou des zèbres. Ou des zèbres. Mm-hmm. Mmh. Oui, non, effectivement, je dis vague. Vague. Et ça fait longtemps que vous vous entraînez comme ça dehors ? De temps en temps, ça arrive depuis ces 15 ans. Pas dangereux avec les mantis ? Ah, on s'y fait. Mais puis les mantis sont plus dans le coin. Sont pas dans ce coin-là. Ils sont de l'autre côté ? Mmh. Plus dans les alentours de Concordia. Eh ben. Eh ben non, on va à Concordia, effectivement. Très bien. Et elle a quel âge ? Vous l'entraînez depuis que ça a 15 ans ? J'ai dit que ça faisait 8 ans, donc elle a 23 ans. Ok. Tu peux la baiser, papé. Elle a l'âge. Mais. Sérieusement. Attends, elle a dit ça. T'as dit ça. Elle n'a pas utilisé la voix de ce coup-là, donc c'était hors RP. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. C'était hors RP. Est-ce que t'aurais pu dire la même chose pour Silver ? C'est vrai. Bon, j'espère que le repas vous a plu, en tout cas. Ouais, c'était bon. Merci. Oh, c'est bon, tout oui. Naturel. Ah, il paraît qu'en ce moment, c'est un peu la saison des amours pour les mantis. En effet, oui. C'est-à-dire combien de temps cette saison ? Ça peut varier de 1 à 3 mois généralement. Ça dure un peu à la fin de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Oui. Sauf que avec ce qui se passe en ce moment, ça peut être déréglé. À voir comment ça évolue. Là, elle a démarré depuis combien de temps ? Une semaine. Oui, elle a commencé un peu en avance par rapport à l'habitude. Il y a des choses à savoir pas spécifiquement sur ces bestioles. À part ce que... C'est agressif. À part ce que Fizzle nous a dit, hein, genre si jamais il y a besoin, on doit se battre contre elle, est-ce qu'il y a des points faibles spécifiques ? Voilà. Bah après, ça a le corps d'un poney, donc c'est à peu près les mêmes points faibles. Ça reste des êtres vivants. C'est juste extrêmement agressif et vorace. Eh bien, j'espère qu'on n'en croisera pas. Clin d'œil.
Vous avez déjà dû en combattre ou pas? Ah oh, oui. Évidemment. Une sacrée plaie, ces choses, dira la biche. Bah, elles ont le droit de vivre autant que nous, hein. Ah oui, oui. Ça, je suis d'accord. Généralement, on évite de les tuer si on peut. Hippie! Sinon, vous faites quoi, mis à part vous entraîner sur la route pendant qu'il y a des gens qui passent? Eh bien, comme je vous l'avais déjà dit, quelque sorte une sorte de mercenaire. Et j'effectue quelques missions, généralement beaucoup d'escortes jusqu'à marcher avec Followin. Quant à Eva, elle aimerait bien suivre mes traces, mais pour le moment, elle aide surtout sa mère dans... Attends, que je dise pas de conneries. Oui, plus sa mère dans le marché de la passe des marchands. Et de temps en temps, on s'entraîne. Quand elle ne s'entraîne pas avec son maître d'armes. J'ai bugué le lag. Quand elle aide sa mère à... Quand elle aide sa mère au marché de la place des marchands. De la place des marchands. Et sinon, des fois, elle s'entraîne avec son maître d'armes. Alors, on a carrément perdu le... Ouyon. Des gens. Oh, désolé, j'ai bugué à Eva quand elle va aider sa mère à... Sa mère, elle aide sa mère au marché, à la passe des marchands. Et des fois, elle s'entraîne aussi avec son maître d'armes. D'accord. Vie chargée. Hein? T'as une vie chargée. Ah oui. Je sais pas pourquoi, mais quand il a dit elle s'entraîne avec son maître d'armes, je me suis dit je suis sûr elle le soulève. J'étais sûr que t'allais dire ça. J'en étais certain. Yes, pourtant. Bon. Et j'imagine que, enfin, je peux supposer que c'est vous son maître d'armes. Ah non. Non. Juste non. Un de ses professeurs et son père. Accessoirement. Accessoirement. Et de temps en temps, je suis son père, ouais. Ouais, ouais je fais ça, ouais. Il le dira avec un petit... Il le dira, hein, mais avec un petit sourire. Alors, je suis son père, je suis son amant. Quoi? Oh non, t'es horrible. Tais-toi. Tais-toi, Lucky. Tu es sale. Ouais, non. Je cautionne pas la blague. Pchit, pchit sur la tête du Lucky. Pchit. Pardon. C'est pas grave. Bien. Il commence à s'étirer. Je vais aller me reposer un petit peu. Eh bien, tarde bonne pas... nuit. Bonne nuit. Et tarde pas trop, Eva. Oui, t'en fais pas. Je reste encore un petit peu, puis je te rejoindrai. Merci encore pour le repas. Merci. C'est tout naturel. Moi aussi, je vais aller me reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ils dorment sans tente. Ben, vous pouvez parler avec Eva. Je voulais en profiter pour aller aux toilettes. Bah, c'est le truc du quelqu'un dit bonne nuit, du coup c'est l'occasion pour aller dormir, effectivement. Bye bye, te perds pas en chemin. Dormir par là-bas. Ah.
Il y a d'autres bestioles dangereuses à part les mantis qu'il faudrait savoir ou quoi? Pas dans le coin, mais sinon oui, il y a des cocatrix, des manticores. Ça vous en trouvez aussi chez vous, il me semble. Oui, effectivement. C'est un peu plus rare, peut-être. Je sais pas. Non, bah après, c'est globalement la même faune que chez vous. À quelques nuances près, et les mantis en plus. Ils ont pas de tigres, des trucs comme ça, par hasard? Si, mais j'en ai pas upload. Salaud. Des crocodiles. Est-ce qu'ils ont des moustiques? Beaucoup. Oh merde. Des moustiques géants. Woodcutter, il va sortir deux tapettes à mouche dans chaque patte en mode. Ouais, showtime! Il va maîtriser le. L'art du kung-fu anti-moustique. Le king-fu. Mais après, il ne faut pas se méfier des plus grosses bêtes. Généralement, il faut se méfier des plus petites. Ouais. Ouais, on nous a parlé qu'il y avait des serpents. Ah! Bah, les serpents, ils attaquent pas tant qu'on ne leur marche pas dessus, hein. Bah, ça dépend, ils peuvent peut-être aussi avoir envie de... Des fois, juste t'approches et ils viennent t'attaquer. Hein. Ah. J'ai déjà vu des serpents comme ça en action et heureusement que c'était pas moi. Hein. Quand t'as tout un petit groupe de serpents qui viennent te mordre ensemble. Tu t'y attends pas. Ah bon. Moi, j'ai toujours entendu dire que les serpents, ils évitaient les poneys parce que s'ils pouvaient pas les manger, donc. Ah, ça dépend le serpent. Hein. Il y a certains serpents, ils peuvent manger des trucs vraiment très gros. T'as bien vu ce surfruit. Hein. Oui, non, mais ce surfruit, c'était des petits, mais ils attaquaient parce que ils se sentaient en danger. Oui, mais c'est de cela dont Fizzle faisait référence d'ailleurs. Ah. À peine sa créature de cristal s'est rapprochée, ils ont tous les quatre sauté dessus. Hein. Elle est apparue. Elle s'est fait désinguer par les quatre attaques. Sinon, oui, bah des Timberwolves. Un peu plus grosse qu'on nous a dit. Mm-hmm. Bah forcément, oui. Comme il y a un petit peu plus de bois, ils ont un petit peu plus pour se construire. Chez nous, ils font à peu près la taille d'un poney. Un poil plus petit. Ah oui. Ouais. Pour vous dire, des fois, il y en a qui se forment avec les troncs des arbres. Pas mal. Ça reste rare. Ça peut être problématique s'ils se mettent à charger, non? Ah oui. Généralement, on s'en occupe de cela. Bon, moi aussi, je vais aller rejoindre le padré au dodo. D'accord. Bah, dormez bien. Vous aussi. Si. Je vais prendre le premier tour de gare, monsieur Wood, vous pouvez aller dormir. Ok. Je prendrai le suivant. En soi, la nuit sera plutôt paisible. Ah non, je voulais pas dépasser la tente. Alors, hop, vous allez arriver à la passe des marches.
quoi. Manger la musique d'ambiance. Donc, lendemain matin, vous aurez été accueilli par un bon petit déj quand même de la part des deux cerfs, enfin du cerf et de la biche. Oh, merci. Puis vous auront accompagné jusqu'à la passe des marchands. Tu veux pas attendre Loupi d'abord avant de continuer? Bah, elle est revenue, non? Non. Elle oui, elle écoute, elle est juste the mute. Ah, d'accord. Elle est démute. Ah bon? Oui, elle est là. Mais il faut qu'elle se démute. Bah, elle est là, qu'elle dit. Ok. Ah, ok. Je vais juste vous recopier de la map, comme ça, je... Voilà. Voilà. Vous voyez bien la map? Ouais. 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 Parfait. C'est un bazar. Waouh. Effectivement. Mais je le reconnais, lui. Ça sera eux qui vont ouvrir la marche, grosso merdo. Waouh, une ville. J'en avais jamais vu. Et bienvenue à la passe des marchands. Eh ben, c'est quoi? C'est animé. Ça a marché. Il y a du monde. Vous l'entendrez, vous les entendrez dire, bon, va rejoindre ta mère, moi je vais rejoindre... mon client. D'accord, pas. A plus. Je vais rejoindre ta mère, je vais rejoindre ma maîtresse. Oh. Et c'est pas celle qui était à marché? Il y en a qui sont de marché, effectivement. Vous avez vu? Un renne bizarre. Alors, juste deux secondes. Bougez plus, je vais aux toilettes. Et il faudrait que ce coup-là avance aussi. Ouais, je vois ça. Je comprends pourquoi. Mais... Il y a un cerf bizarre, là. Je suis en train de regarder des gens qu'on connaît de Poronek. Enfin, de marché. Alors, effectivement, elle, on l'avait déjà vue. Et du coup, on attend Loupi et Ren. Lui aussi, on l'avait déjà vu. Le qui? Mmh. Lequel? Alors, pour l'instant, j'ai retrouvé les fiches de ces deux-là. Bah, lui, là aussi. C'est Falwin. Aussi, Falwin, je l'avais pas encore vu. Moi, je suis super content parce que c'est moi qui ai nommé cette ville. C'est moi qui ai nommé et qui ai placé cette ville. Je suis super content. Yes. Bah, c'est bien. Ah tiens. Oui, justement, ça que... C'est quoi ça? Ouais. Oh y a... Donc. Y... La luz de la muerte. Vous avancez, vous suivez tranquillement les deux énergumènes, quand il y a un cerf qui commence à se redresser d'un coup, regardant ce coup-là, et Wood, genre, oh! Ça y est, la secte commence! Pardon, excusez-moi. Et il se lève. Mais, des disciples de la luz de la muerte, j'y crois pas! Ah! Si, on l'avait alors, déjà saison. Vu. Tu le connais, ce coup-là? Ah non, pas d'auto. Hola! Les yeux. Vous connaissez c'est la idiot là aussi. Idiot là aussi. J'en ai entendu parler, mais c'est trop bien. Ah bon, mais qu'est-ce que vous en avez parlé?
Oh ben, j'ai été voyager un jour une fois avec Estrella, et puis je sais plus, c'est un poney qui m'en avait vaguement parlé, et puis j'ai trouvé l'histoire assez intéressante, je me suis renseigné comme possible, et du coup ben, j'ai cherché pas mal d'ouvrages, il y en a pas beaucoup, mais j'essaye d'en parler le plus possible, et c'est trop bien. Eh ben écoutez, la douce de la muerte. Oh, vous connaissez bien. Bah évidemment, parce que c'est mon papa qui l'a vu. Non. Et voilà, deux fanatiques qui se rencontrent. Eh ben ils sont partis. Il lève les yeux au ciel en faisant... Eh ben ça y est, ils sont partis. Bah du coup, je vais raconter ma vie. Hein. Silver, on fait un tour, je crois qu'ils sont là. Je crois qu'ils sont là. On pourra les retrouver plus tard. Hein. Amusez-vous bien, vous deux. Ouais, ouais. Mais on arrive. Aïe, 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 aïe. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Il écoutera toutes tes histoires avec passion. Et a beaucoup d'attention. Bah écoute, hein, elle lui raconte tout comme d'habitude, la source habituelle. Mon père a vu la loose de la muerte, gna gna gna. On a même pas avec des détails supplémentaires parce qu'il est... Il a des étoiles dans les yeux, le... Pas de favoritisme. Après, je lui dirai qu'ils m'ont envoyé pour répandre la... La bonne parole. Non, pas la, la bonne parole, ça fait vraiment trop. Genre, j'ai la vérité absolue et pas vous, tu vois, mais... La parole, tout court. Non, juste, bah, répandre... La nouvelle. La rumeur, l'histoire, enfin le... Les bienfaits de la loose de la muerte, quoi. Il prend des notes d'ailleurs, il prend tout ce que tu dis, il note tout ce que tu dis. Je vais pouvoir en parler encore avec plus de détails à tout le monde, comme ça. Ah ouais, ouais, y a pas de problème. Oh, si fait. Et oui, si un jour vous venez, n'hésitez pas à venir à la Cité del Sol, je vais vous le mettre sur la carte. Ah oui, j'avais essayé d'y aller, mais j'ai jamais réussi à trouver le chemin. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais on va mettre des. J'avais demandé au facteur, mais il trouve pas. Ouais, il sait, ouais. On a eu des soucis de courrier. Mais maintenant, on va mettre des panneaux. Et les gens, ils pourront pas dire, il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux. Panneaux, il n'y a pas de panneaux. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Bon, bah, on fait quoi en attendant qu'ils aient terminé hein, parce que... Pas oui, de béni pour Loupi pour cette blague. Ah, oh, j'ai presque envie quand même. Ah, oui. Je vais t'en donner un, mais d'abord je le présente. Il s'appelle Eludon. 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 Ça devient l'air complètement mon nouveau meilleur ami. Enfin, quelqu'un qui comprend avec Pépé. J'allais dire. Ah, écoute, qui raconte. Oui, j'étais témoin à un moment donné. Et d'ailleurs, j'ai même été. J'ai eu le cas une fois où j'ai commencé à me teinturlurer la tête. Il y a eu une attaque d'ombre et je n'ai rien eu. Ah ouais, c'est parce que la lance de la muerte te protège. Excusez-moi, j'ai vu ça aussi. T'es incompréhensible, c'est ça qui m'a convaincu. Je suis convaincu. Non mais Pierridée, les pauvres, ils vont mourir comme des merdes. C'est trop triste. Ça sera de ta faute. Il y a un arbre qui est tombé sur l'ombre qui voulait m'attaquer. Wow. Le mec, c'est l'inverse de Grey Cloud. C'est ça. Alors qu'en fait, je suis sûr c'est Eva et son padre qui est en train de s'entraîner. C'est ça. Mais ça y est, on a trouvé un fanboy. Pendant ce temps-là, du côté de Silver et Fizzel. Nous, on se balade, Ils sont des bancs utiles au groupe. Ça crie pas mal. Pas de lapin, Wild Academia. Ouais, ouais, et lui, c'est le zèbre qu'on a vu à marcher, clairement. Le gris-gris. Gris-gris. Incassable. Gris-gris, poil de chasse. Cassé. Ah oui, Juno. Juro un rat. Ouais, effectivement. Vous pouvez voir du coup que Eva s'est remise derrière une étale et qu'elle a une sangsue du coup à la patte. Quoi ? Iridée. Une petite biche qui la colle. Iridée. Ah ok.
et il n'y a pas beaucoup de place pour passer entre les étals. Mais si, tu peux... Mais si. Il squeeze un peu. Et... dis-toi que en vérité, ton poney, il est plus. Attends, dis-toi que ton poney, arrête de bouger. Il est plus. Comme oui, ça. Oui, je sais, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Non. Et du coup, ils vendent quoi dans leur étal? Des fruits, des légumes. Silver, il va faire un coucou à Eva. Elle rendra le coucou. Et puis la petite derrière qui fera le coucou aussi. Oh. Et là, aussi. Eva soulève Silver. Oh. Enfin amoureux. Vite, est-ce qu'on a des cartes pour piocher? Vite. Non. On n'en avait pas, de toute façon, j'avais vérifié. Et là, il y a un âne, mais je vous reconnais. Oh non. Pas cette voix. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai cru que t'allais lui foutre un... Comme le monde est petit. Mon Dieu. Effectivement. Vous êtes toujours intéressé par du chocolat. Ce qui est bien, c'est comme il fait nuit, c'est plus facile à conserver. Je me fatigue. C'est vrai. Mais vous avez des spécialités d'ici? Oh, bah non, je ramène que des spécialités de galopa. Bah je vais en prendre. Bref, du coup, tu feras tes courses, etc. Silver, tu fais quoi toi de ton côté? Bah, Silver, il regarde les étals et il fait pas de course, il regarde juste... Il est un peu paumé, il sait pas quoi faire, là. Et il est en mode, ouais, il y a beaucoup de trucs, mais il y a vraiment rien qu'on a besoin, donc... Oui, en soi, il y a pas grand-chose de quoi vous avez besoin, c'est juste une très belle ville. Voilà, il va juste regarder le paysage autour, quoi, il va faire le touriste, il va regarder le paysage... Va regarder les bâtiments. Juste si tu passes à côté de l'étal où il y a Eva, elle dira bah, si jamais vous recherchez des guides pour Concordia, du coup, n'hésitez pas. Faudra qu'on en parle avec les autres, mais oui, ça pourrait être intéressant. La joueuse dit non. Mais pourquoi? Parce que. Je plaisante. Et pendant ce temps-là, du coup, toujours avec Eludon et Lodon. Et Louis. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin, du coup, prophétesse? Voilà, je suis pas encore prophétesse, hein. Pas encore. J'ai fait mes preuves. J'aime là. Bien. Bah J'aime oui. bien le pas encore. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites ici, du coup? Eh ben, je me suis fait endoctriner dans le... C'est pas le mercenariat, c'est mercenariat, si. Dans le mercenariat, et puis là, on a une mission, on doit aller à Concordia. Oh, est-ce que je peux venir? Je sais pas, vous avez pas autre chose à faire? Bah, de toute façon, personne n'écoute jamais ce que je dis. Mais peut-être qu'à Concordia, ils écouteront. Ah bah, écoutez, ouais, si vous voulez, et puis on le dira tous les deux, ça rentrera mieux dans leur petite caboche. Ah oui. Mais il faut que je demande à mes acolytes s'ils sont d'accord. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas, mais il faut qu'ils y réfléchissent bien. Après, ça va peut-être être dans heureux de ce qu'il y a compris. Vous y allez souvent? Ça m'arrive, des fois. Puis, en soi... Après, si vous cherchez des guides, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Tout le monde connaît un petit peu, un minimum, la forêt. Oui. Après, on a déjà rencontré quelqu'un qui pourrait nous y emmener. Enfin, on D'accord. Pourra. Après, ils sont peut-être plus spécialisés que moi. Et vous savez mais bon, la loose nous protège. Oui, elle nous protège des ombres, mais pas des bandits, des créatures et tout ça. Et tu as malchance aussi. C'est vrai. Et vous avez récupéré cet accent comment? Et en fait, il essaye d'imiter l'accent de ce coup-là, mais il y arrive moyen. Et quand c'est lui, ce coup-là, elle dit rien. Ok. Mais si, elle lui dira, par contre, n'imitez pas mon accent. Hein. Pardon. C'est pas grave. Vous ne saviez pas avant.
Maintenant, vous le savez. Arrêtez. Après, sinon, dans les guides plutôt réputés, il y a... Que je réfléchisse. Il y a Evinrude, forcément. Il y a Galar. Célésis, c'est pas vraiment un guide, c'est plus un maître d'armes. Peut-être Stellone. Il fait des petites listes dans sa tête. Kletra, peut-être, mais là, elle doit être encore dans... en train de faire du marchandage. Enfin, derrière sur les tables, je sais pas. Ah, vous connaissez une Eva? Oui, c'est la fille d'Evinrude, je crois. Oui, c'est elle qu'on a rencontrée. Ouais, est... enfin, qu'on a rencontrée. Elle est comment? Elle a un fort caractère, mais elle est très viable comme guide. D'accord. C'est intéressant, ça, non? Vous lui faites confiance? Ah, oh, bah oui. Et il se penche un petit peu un petit peu genre pour parler un petit peu plus doucement. Et si jamais vous venez à être son copain, vaut mieux éviter de la tromper, quoi. Bah, ça, c'est... Vous voyez le cerf derrière, là? Je le regarde et je hausse un sourcil. Oui. Lui. Je le regarde pas du tout discrètement. Il a un bois en moins, déjà. Oh, lui a pété le bois. Lui, là? Oui. Ah. Et du coup, je vais me pencher vers lui et je vais lui dire « Vous savez, si vous voulez un secret, évitez de tromper n'importe qui. » C'est pas faux. Mais je veux dire, disons qu'il a eu le malheur de la tromper et il est passé par la fenêtre de sa maison. Je crois qu'on peut retrouver son bois devant l'entrée de la maison d'Eva. Ah. L'avertissement. Quelle brutalité. Est-ce que je peux faire une pause chat? Une quoi? Une pause chat, parce qu'il est couché sur ma main, la main qui est sur la souris. Ah yes, bah oui, une pause chat. Très pratique. Mao. Hein? Bah attends, je vais choper le chat. Non, non, mais il est... Non, mais en vrai, je peux encore la bouger, hein? Mais ça me fait rire. Quel chien. Pause chat. Avec Galsa? Oui. Regarde ce que j'ai marqué. Regarde ce que Fizel a fait. Ok. Agression fait directement. Pourquoi? L'agression gratuite. Pourquoi? Ah, j'avais pas vu. Ah si, c'est bon. T'as vu, c'est trop bon. D'ailleurs, la pâtisserie. Il y a une très bonne boulangère pâtissière ici. Boulangerie-pâtisserie. Oh, j'avais pas forcément faim. Et elle se serait présentée sous le nom de Braise. C'est une agression, ça, Ren. Elle est où? Sérieux, Ren? Merde, je l'ai mal écrit. Voilà, comme ça. Oui. Elle est où? D'accord. Ici. Ah oui, elle lui ressemble trop en plus. Mmh. Elle ressemble trop à Braise IRL. Putain, où ça? D'accord. J'ai pas vu. J'hésitais à poser la question, mais la réponse a été voilà. Faite. Ah là. La réponse a été faite, okay. Avant que je pose la question, d'accord. Oh, t'en m'énerve, toi. Allez, par contre, c'est d'ailleurs. D'ailleurs, elle était très enthousiaste quand t'es arrivée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et elle a une voix très fluette comme une gamine de 16 ans. Oui. Très bien, parfait. Bonjour. Bonjour. C'est vrai. Bonjour. Ah, je vous la mets dans vos fiches parce que... Ah, je lui ai mis un nom complet, d'ailleurs. Oh putain, ça doit être la merde pour appeler son vrai nom. Oh, Brion Rayford, Cerola, Incarvelia, Salicorne, Emilia. Ils aiment bien perdre du temps, les serres, j'ai l'impression. Oui. Bah, en même temps, quand on se branle... Est-ce qu'il y a un Golgot? Non, il n'y a pas de Golgot. Dommage, ça aurait été marrant. Bah, va lui acheter quelques pâtisseries. Bah, du coup, oui, tu as acheté les pâtisseries, t'en as foutu une dans la bouche de Silver. L'agression.
le rentre dedans. Littéral. C'est du viol alimentaire, ça, madame. Ouais. Non. Du viol oral. Honteux. Silver, juste, il est en mode vrai. Comment ça ? Au secours, on m'agresse. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Ah bon ? Parce que c'est bon. J'avais envie de te faire un cadeau. Mais t'aurais pu me la donner, je sais pas. Parce que je voulais t'enfoncer quelque chose dans la bouche. Oh, je pourrais rien mettre d'autre. Je sais pas, son énergie m'a contaminé. J'ai eu envie. C'est quoi cette excuse là ? Les ondes positives m'ont traversé, tu vois, et elles m'ont fait comprendre que je devais faire qu'un avec mes envies, tu vois. Et t'enfoncer ce cadeau, qui est en même temps. Ah, est-ce que je peux continuer ? Non. Oui. Bah d'accord, j'arrête. Non, juste vraiment. Je vais juste te faire partager cette magnifique pâtisserie alors que. Elle en mange une aussi. Non ? Oui, t'aurais juste pu me la donner quand même, c'est bizarre. Hein. Bon, après. Merci quand même, hein, mais. Voilà. Tu la vois, elle a. Comparé à l'habitude où elle est un peu. Où elle essaie de rester un peu stoïque par rapport à tout ce qu'il a, tu la vois, elle a un grand sourire alors qu'elle est en train de manger sa pâtisserie. Rougalora Gran ! Dégage ! Quel chien. Moi, je vais regarder un peu ce qu'il vend, le monsieur, là. En fait, c'est que des ouvrages, c'est un peu comme si c'était des fanfictions sur la loose de la bourrée. Du coup, je vais en prendre un pour feuilleter vite fait. Et là, c'est illustré. Oh non, c'est pas vraiment des fanfictions, c'est plus quelques informations et théories sur les capacités de la loose de la muerte. Ouais, c'est la chaîne, quoi. En gros, il essaye de trouver le plus d'informations là-dessus. Ce qui est la loose de la muerte. Oh, attendez, il faut que je fasse une blague. Vous êtes prêts ? Oh non. Non, je suis pas prêt. Attends. Voilà, je suis prêt. Que dit un Je devais pas te donner un béni. Hein ? Je devais pas te donner un béni d'ailleurs. Si. Genre, il faut peut-être l'enlever. Vous êtes prêts ? Taisez-vous. Cucui. Quoi ? Non, j'ai eu un décalage avec ta blague. Je l'ai même pas dit. Oui, non, mais j'ai un décalage à l'avance. Que t'as lu les blagues, je suis folle. Oui. Je vois même pas, j'ai rien écouté. J'attendais que tu dises. Mais en fait, elle a pas dit la blague que j'ai déjà dit la réponse. Oui, mais donc, j'ai pas écouté la réponse. Taisez-vous. Que dit un oiseau quand il mange quelque chose de chaud? Bah, c'est chaud. Bah non, il dit cuit cuit. Et le rapport avec. J'ai racheté ces flambiruris. C'est quand même plus rigolo l'oiseau qui passe au-dessus d'un camp de concentration. Oh non, mais. Ben, arrête, Loupi, elle va se faire ban de YouTube. Non, mais je préfère la blague avec le petit gamin qui regarde la vitrine de la boulangerie avec envie. Et un Allemand, un Nazi qui passe derrière et qui fait Ah, t'inquiète pas, ton petit, toi aussi tu auras ton petit four. Stop! Juste pour rire, si c'est génial ou mauvais. Bah, c'est une blague un peu des deux. Hein. Voilà. Ouais. Oui, justement. Moi, j'aime bien après. Bref, oui. Du coup. On va peut-être. Oui, du coup, je vais. Avancer un petit peu. Je vais lui dire. Je vais lui demander. Ça vous dirait de nous faire le tour de la ville? Enfin, si vous n'êtes pas trop occupé. Sinon... Disons que je tiens toujours mon stand, mais. Sinon, on se rejoint là et puis après, quand on a fait le tour tous les deux avec Wood. Oui, voilà. Pour au moins faire quelqu'un qui connaît, qui nous montre tout ça. Eh bien, pourquoi pas ? Mais bon, en soi, c'est pas non plus une grande ville, c'est juste très animé. Ouais, mais nous qui venons rarement, c'est très beau. Oui. Enfin, même, c'est la première fois qu'il vient ici. Ah. En soi, en fait, il va ranger ses affaires et puis il va vous faire visiter la ville. Bon, faudra savoir.
De toute façon, il n'y a jamais personne sur son stand. En même temps, je peux comprendre les cerfs parce que leur parler d'un truc qui est à 8 milliards de kilomètres de chez eux, qui existe peut-être même pas, tu sais. Mm. Et quand même, on a l'épisode 24. Au bout de 24 épisodes, tu rencontres quelqu'un enfin autre que les joueurs qui sont fans de la Luz de la Muerte. Autre que les joueurs et ta famille. Non, Silver est pas particulièrement fan, hein. Bah, je pense qu'il y en a d'autres. Haters. Tu verras quand Radiant se t'entourera la gueule. Il n'est pas... Voilà. Il est pas... Et c'est pas un hater, juste que lui, ça l'intéresse pas plus que j'ai ça, dit, mais... J'ai pas... Twitter, c'est un hater. Non, quand je parlais des joueurs, je parlais de Wood. Mm-hmm. Je parlais pas forcément de nous deux. Bah, du coup, Fizzle va continuer à faire ses petites courses. Elle va acheter en plus, va en profiter pour acheter quelques rations supplémentaires pour la route. Ah, il fait tout noir. Ouais, c'est parce que j'ai modifié une carte. Bah, c'est pas grave. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Ah, il fait noir. Du coup, ouais, elle va en profiter. Elle va. Est-ce que j'ai besoin de cristaux? Est-ce qu'il y a des cristaux d'ailleurs ici? En soi, vous ravitaillerez, ça y a pas de problème. Okay. De tout ce dont vous aurez besoin. Et je vais vous faire avancer jusqu'à la taverne. Ça sera pas un passage obligatoire, mais c'est juste que comme je le upload. Ok. Je demanderai. Je pense qu'on aura retrouvé les autres entre deux. Ah oui. Je vous demanderai si ça vous embête pas que. Comment il s'appelle? Que Jean-Claude, adepte, vienne avec nous là. Il lui donne. Merci. Non, parce que j'ai marqué à cause de ma fanfic. Je m'en souviens, c'est pour ça. La Luz de la Muerte. Voilà, et lui donne, vienne avec nous. Voilà. Ça dérange pas. Cool. Il faudra voir aussi. Oui, ils viennent avec nous, mais sans vouloir être méchant. De voir que ce soit pas un poids sur la route, parce que si... Il faudra qu'il mette... C'est-à-dire sa main à la patte. Son sabot à la patte. Un peu ça, mais aussi... ça se trouve, il est pas fait pour un si grand voyage. Il y a des gens comme ça... Mais il a déjà fait, il a dit. Ah oui, c'est vrai, il avait dit... Il met 200 sabots, voilà. Putain, je cherchais une bonne expression. Oui, bien sûr. Et sinon, vous avez trouvé un guide? Non. Fizzle a trouvé des trucs à pâtisserie, par contre. Elle vous en donnera. Oh, gracias. Ah, et d'autres informations, vous pourrez trouver aussi des guides, dans la taverne. Nice. Dans l'auberge. Bah, on regardera les... On demandera aux... Mais vous voulez pas demander à Eva? C'est vrai que... Bah, c'est vrai qu'on la connaît, donc... Oui, et puis il nous a dit qu'elle était fiable. Ouais. Je suppose qu'on peut aller lui demander. Et là, il nous a menti. En réalité, Eva est une tueuse en série. Bah, du coup, on ira voir... On ira voir Eva, du coup. On ira lui proposer, lui demander si elle pourra nous servir de guide. Pour qu'elle nous trahisse! Ce qu'elle répondra, faut que je demande à ma mère, mais... mais sinon, ce sera volontiers. D'accord. J'ai qu'à vous donner rendez-vous demain matin devant devant la taverne, et puis je vous donne une réponse. D'accord. Mais en soi, il ne devrait pas y avoir de problème. Cool. On verra. Merci. Pas de quoi. Et elle donnera quand même... Enfin, elle fera un devis quand même, entre guillemets, du prix de l'escorte. On devra faire un jet, quoi, mais ça sera au moment de partir.
Donc, je vous fais aller à la taverne. Oui. Ouais. La belle auberge. Je pense qu'on aura récupéré Élu là. Élu, vous aurez dit. On lui aura au moins dit qu'il pouvait venir, de se préparer, tout ça. Mais il a un chez lui. Il a un chez lui, mais au moins pour passer la nuit, pour manger, pourquoi pas. C'est. Passer la soirée, manger, tout ça. Faire connaissance. Si Fizzle a des questions à lui poser. On va prendre plus les uns sur les autres. Déjà, il... Ah oui, d'accord. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Merci. Merci. Pauvre ours. En fait, pas, c'est du synthétique. C'est un ours synthétique. Je vois rien du tout. Bonjour, merci. C'est pour manger ou... Pour manger, pour dormir, pour les deux? Les deux, s'il vous plaît. Et moi, c'est juste pour manger. Merci. Très bien. On est quatre pour dormir et cinq pour manger. Très bien. Je vous prépare donc deux chambres. Ce sont des chambres doubles. Elle demandera des... Elle demandera... Vous voulez manger... Non. Pardon. Vous voulez une salle de bain aussi? Un accès à salle de bain? Ouais. Ça pourrait être... Après tout le trajet qu'on vient de faire... Ouais, qu'on en aurait besoin un peu. Un bon bain. Alors... Très bien. Ben... Public ou privé? Oh, n'importe. Comment ça, public? Bah, disons qu'il y en a, il y en a qui sont accès, qui sont pour tout le monde entre guillemets, et d'autres qui sont juste réservés, qui sont juste privatisés dans les chambres. Mais et l'intimité? Bizarre. Non. Bah il y a des paravents. Moi pour, pour les publics je parle. Privé, privé je. Pour ma part. Donc. On part sur deux chambres doubles avec, avec salle de bain. Donc. C'est ça. Plus repas. Faudrait deux jets de richesse. J'en lance un. N'en faites pas. Avec ma fameuse chance, tout va bien se passer. Moi je dis c'est le vieux qui paye. Bah oui. Yes. C'est lui qui veut son intimité. Hein. Paf. Et Fizzle aussi la veut. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bah tu perds un dé. Okay. Vous perdez un dé. Hop, hop, là. Bah, c'est toujours mieux de perdre un dé que de les perdre tous. Ouais. Très bien. Eh bien, hop. Vous pouvez rentrer. Merci. Et quand vous voudrez dormir, vous aurez juste à revenir me voir. Je vous guiderai jusqu'à vos chambres. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, le chat. Ah, ça y est. Alors cela dit, elle va vous donner les clés de la chambre directement et puis elle vous donnera les indications. En gros, ça sera. Ça sera tac tac, il y a une porte ici et ça sera les deux chambres là. Ok. Oh oui. Oui, c'est grand. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de tables. Parce qu'il y a aussi des pièces pour manger de manière privée. Du coup, on s'installe. On s'installe à une table. Oui. Vaut mieux s'installer à une table et pas par terre. Oui, c'est mieux. Moi, je vais aller me décrasser avant de manger. Voler ma chaise. Ah! Il a essayé de me voler ma chaise. Les chaises musicales. Bon ben. Bon ben. Petite. Oui, c'est celle-là. Et elles sont où les douches? Elles sont au fond de la chambre, là. Ah, ok. Il y a même un chiotte. Ah ouais. Bon. Voilà. Vu la taille, c'est limite une piscine. Ce coup-là dans sa piscine. Dans ta jalousie, je suis dans ma piscine. Ah, mais c'est clairement son jacuzzi, là. Et dans ta jalousie, je suis dans ta mère, la pute. Ah, d'accord. Elle est toute petite. Et où le jacuzzi? Oui, elle est partie ce coup-là. Mais elle a dit qu'elle allait prendre son bain. Ah. Le bain. Ah, il faut écouter un peu. Elle a dit qu'elle allait prendre son bain avant d'aller manger.
Bah du coup, attendez, on va aller commander. Vous en faites pas, ça va venir. Ah oui. D'accord. Bonjour. 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 Tenez les menus. Merci. Elle les prend. Ça, elle les prend et les distribue à tout le monde. C'est une serre. C'est un petit fan. Oh, je suis mignon. Mignon. Un petit faon. Un faon. 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 Et Ludon qui expliquera, ouais, du coup, là justement, on a deux très bons guides ici, au passage. Plutôt réputé également. Puis on pourra attendre ce coup-là, qu'elle sorte de sa baignoire. Oui, elle va se dépêcher quand même. Mais je voulais leur laisser le temps de RP. Bah après, comment dire? Ah, bah ça fait du bien d'être propre, hein? Ouais. Tiens, voilà, tiens, un menu. Tiens, ah. si tu veux commander. Ouais, merci. Consommeur d'eau, on prendra vos commandes, on vous servira ensuite. Et c'est vraiment classieux quand même. J'espère qu'on n'aura pas trop... Et sans forcément être trop cher. Parfait. C'est la remarque que j'allais faire. Du coup, je demanderai... Du coup, et lui donne Oui. Dites que vous avez déjà fait la traversée... La traverser jusqu'à la capitale. Oh oui, bah ça, presque tous les cerfs le font. Il y en a que quelques-uns qui se spécialisent vraiment dans les escortes pour et qui s'entraînent vraiment à gérer le plus de problèmes possible. Comme bon, là par exemple, on a Célésis, mais qui, bon, lui, il bouge pas beaucoup, il est plus maître d'armes. Falizil qui lui est une très bonne escorte, et Nivalis qui lui aussi est plutôt pas mal. Eh ben, on a qu'à tous les prendre. c'est les plus chers, eux. Ouais, c'est la chose que qui m'inquiète un peu, c'est le prix, hein. Parce que faut quand même qu'on ait assez d'argent pour rentrer ensuite. En effet. Et Eva, vous l'avez... Ah mais non, en plus, Eva nous avait donné ses tarifs, non? Oui, ça allait demander quand même un petit jet. D'accord. Okay. Mais sinon, par rapport... Mais c'est raisonnable. C'est par rapport aux deux autres, c'est relativement c'est relativement raisonnable. Parfait. Bah, je pense que on va éviter de prendre des guides trop chers non plus, même s'ils ont l'air compétents, même si bon, les apparences ça veut rien dire. Et vous l'avez fait combien de fois la traversée? Oh, quelques fois ça m'arrivait, mais après je peux pas vraiment compter, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. D'accord. Parfois je me prends une escorte, parfois non. Ok. Et vous en avez déjà fait durant la... Saison des amours des Mantis. Généralement, c'est là que je prends les escortes. Ah.
On devrait peut-être en prendre un autre histoire d'être sourd. Hein. C'est quand même assez important ce qu'on doit faire. Oui, c'est vrai. Il y avait à aller faire de l'œil à ces messieurs. Mais. D'accord. Évite de nous en prendre un trop cher. Ouais, ah, ouais. Ah bon, il y avait négocié. Je vous laisse RP. J'espère quand même que ça va pas être trop long ou trop dur, cette espèce de voyage. J'espère que la lettre était suffisamment importante pour avoir autant de monde qui l'amène. D'ailleurs, le voyage, ça prend combien de temps habituellement? Entre 3 et 4 jours, plus 3, plutôt 3. D'accord. Bon, ça devrait aller. Et sinon, vous nous conseillez quoi en termes de spécialité, pour changer un peu de sujet? Il conseillera quelque chose de goûtu, de sympathique, de consistant et de voilà, de très très bon. Okay. Oui, allez, ce coup-là. Donc, je m'approche gentiment. Je me mets là, comme ça je peux voir les trois. Les trois font guide, hein, c'est ça? Non, non, celui du milieu n'en est pas un. Ah, bon, moi je suis... Évidemment. Je leur fais jouer la chaise musicale. Non, non. Hola, excusez-moi. Les trois se retournent, du coup. Oui. Elle se concentre un peu sur ces deux-là, du coup. Et puis elle dira... mes amis et moi-même aurions besoin de quelqu'un d'expérimenté pour aller à Concordia. Et elle fait les yeux doux. Et c'est pas tout ce que je fais. Je vais faire un empathie. Sur lui et sur lui, pour savoir si mon charme opère. Et là, ça fait non pour aucun. Sûrement, pour tous. Sûrement, mais il y a à peu près 99% de chances que ce soit des noms. Et là, c'est là. Non, désolé, je suis attiré par les mecs. Non, mais de toute façon, déjà, un cancer sont attirés par un poney, ça me paraît bizarre, mais bon. C'est exotique, c'est différent, ça leur change. Ouais. Alors, un bas de poney a bien été attiré par un zèbre. Du coup. Oui, mais ça reste des équidés. C'est vrai. Je fais mon empathie. Fais donc. J'en fais deux ou j'en fais qu'un? T'en fais deux, ça me semble. Alors, sur le roux, d'accord. C'est parfait. Bon, bah, tu vas pouvoir me tirer... Qu'est-ce que je fais, moi, de mes... J'ai n'importe quoi. Dynamique. Ah bah non, si, c'est vrai, pardon. Tu dépenseras plus de PP, du coup. Oh, ça va. Ça va. On dépense 2 au lieu de 1, ok. Et sur l'autre, c'est le deuxième fumble de la session, là. Ouais. Et donc, du coup, c'est contre son âme. Oui. Ça marchera pas. Tant pis. Alors, je me contente de juste leur faire mon plus beau sourire. Les deux se rapprochent du coup. Chercher un guide pour aller à rappeler Concordia. Concordia. Et on a vanté vos mérites. C'est... Ah bah ça pourrait, pour avoir du mérite, il y a de quoi en avoir justement. Il te met le sabot autour de ton cou. Je regarde, oui d'accord. Bon. L'autre qui soupire. Eh bien, on a une mission importante, alors on aimerait arriver entier. Mais regarde les deux, pareil. Alors, donc celui qui est autour de ton cou. Alors, Falizil, tu t'es intéressé par l'offre? Parce que moi, en tout cas, je le suis. Forcément que je le suis. Toujours bien de se faire d'arrondir les fins de mois. Oui, oui. Va falloir faire un petit choix, madame. Mmh. Eh ben, décide l'air innocent. Nos tarifs sont les mêmes. C'est combien? Cher. C'est assez cher, ouais.
Et y a moyen de y arriver avec des jets ou pas? Ou c'est vraiment... Moi, c'est plus un choix, mais il y a un troisième cerf qui arrive. Oh putain. Oh, il est trop beau. Pardon. Excusez-moi, messieurs. Mmh. Excusez-moi, madame, je vous avais dit que vous cherchiez un second guide, c'est ça? Oui. Si je puis permettre d'établir, de vous donner un petit conseil, un seul devrait largement suffire. Mmh. Un guide est suffisamment expérimenté pour pouvoir gérer... Navré, je m'appelle Faon. Je te reconnais. Faon, le oui. Oh, Grugal, tu vas finir à la broche. Pardon. Voilà, je voulais juste me permettre de vous expliquer qu'un seul guide suffira et que ça serait, disons, un gâchis d'argent, si vous voulez mon avis. Mais après, vous faites ce que vous voulez. C'était juste pour vous tenir informé. Eh bien, merci, monsieur. Paon, tu fais chier. Désolé. Mais je préfère être honnête avec les gens. Bonne soirée. À vous aussi. Mais Grugal, t'es trop de balle. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais il est limite monté sur mon écran. Mais ça va pas mieux, lui, hein. Viens là. Trou du cul de chat. Oh, mon bébé. Il vient, en plus. Mmh. Hein? Bah oui. Il y a le cerf ici qui se rassoit et l'autre qui... Oh, quel rabat-joie, ce Faon. Oh. Bah après, on roule pas sur l'or, hein. Moi, vous aurez bien payé tous les deux, mais... Il n'y a pas que réseau, ça. Mais bon, si jamais vous voulez un deuxième guide... N'hésitez pas. Et du coup, c'est quoi leur capacité à eux deux? Lui, il a l'air plus sur la magie, et l'autre, il est sur vraiment l'arc et tout ce qui est armement. Bon, bah, je pense que je vais demander à mes compagnons ce qu'ils préfèrent. Très bien, très bien. Merci en tout cas. Pas de problème. Bonne soirée. Attends, d'abord, la persuasion. Ouais. Après. Persuasion pour? Bah, pour lui. Il y a peut-être moyen de négocier. Bah, techniquement, il y a... négocier quoi, le prix? Oui. Bah, vas-y, du coup... moi, je négocie pas mes prix, mais bon, proposez toujours. Proposer quoi? Bah, du coup, je lui propose un truc... Bah, pour le jet de perception... Par la persuasion, justement. Oui. C'est un 17. Avec un regard de braise, en plus. Et pas à la biche. Yes. Ah oh bah. Il m'a fait un fumble, le con. Yes. GG. Ok, pour vous, ce sera gratuit, beauté. Je peux bien faire un petit geste commercial. Vu qu'il y a une deuxième escorte, ça sera la moindre des choses. Ah, oh, ça c'est vraiment très gentil. Et du coup, avec ce geste commercial, est-ce qu'on peut prendre les deux? Bah en soi, faudra juste, il y aura juste plus 2 sur le jet de richesse pour le payer. Ok. Et ben on prend les deux, j'ai envie de te voir galérer avec les PNJ. Je vais commencer à tirer mes cartes pour me préparer moi au cas où. Yes. Non mais je les sens venir ces mantis et autres merdes là. Non, mais y a pas à sentir, on le sait que ça va arriver. Mais oui. Mmh. La question c'est quand? Ok. Cela dit, il faut peut-être qu'on tire nos jets de richesse avant pour voir si on a assez, non? Mmh. Ce serait peut-être une bonne idée. Ouais. Donc il en faut un pour Eva, un pour lui et un pour lui. Ah, vous prenez les deux? Bah oui. Non. Les trois, du coup. On n'a pas déjà Eva, ça suffit pas. Mais faut juste faire un G pour Eva et un G pour elle. Et un G pour lui. Lui. Pourquoi j'ai un des quatre, moi? On a payé quoi? La traversée, non? Ouais, mais Humber nous avait donné la thune, non?
T'avais pas payé autre chose entre temps? Ben, je suis en train de chercher ce que j'ai payé. Qu'est-ce que j'ai payé? J'ai rien payé. T'as peut-être oublié de remettre ton dé de richesse après que Ren s'est souvenu qu'on... C'est possible, ça. Je sais plus. Ça doit être ça. Mets-toi à 6. T'es sûr? Ouais. Bon. Et donc j'ai plus 2. C'est ça? Oui, pour comment il s'appelle déjà? Nivalis. Yes. On va voir les noms. En dessous des Des ses noms. Bon, du coup, je m'excuserai quand même auprès de lui et je lui dirai la prochaine fois. Il y a vos plans, vous. C'est ça. c'est pas un problème, vous en faites pas. Hey, je te réduis dans des... Moi aussi, miaou. Je crois, non? Oui. Oh, il est trop mêle, mais c'est pas vrai. Hein. Miaou. On entend. On viens là. Adorable. Viens. Non, c'est pas adorable, c'est casse-couille. Non. Voilà. Il miaule tout seul comme un abruti devant la porte, y a aucune raison. Bah si, il veut sortir. Non, il veut pas sortir, tu ouvres la porte, il a peur. Et justement, il veut sortir jusqu'à ce que tu ouvres la porte, et puis quand t'as ouvert la porte, il veut plus sortir. Il y aura le cerf là qui aura vu la scène, qui aura juste haussé les épaules, mais quand même un petit sourire du « c'est pas grave ». De quoi? Le cerf là qui aura vu la scène, qui aura juste souri, genre bon, tant pis, hein. Après c'est leur choix. De quoi tant pis? Bah, il t'avait prévenu de ça sert à rien de prendre de guide. Ah. Lui là, ça va nous coûter cher. Bah, on fait ce qu'on veut. Oui, oui. Ouais, mais moi je croyais qu'il disait ça pour en prendre les deux là en fait. Bon, j'ai pas compris. Non. Pour prendre deux guides. Oui, juste. D'accord. Non, mais maintenant j'ai compris, mais on s'en fout. On fait ce qu'on veut, notre thune. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Ouais. Oh, mais attends, une fois que Yamesco, j'ai traité le père de Eva sans couille. Ouais, mais elle a dit ouais aussi. Ouais, mais irait m'excuser au père. J'imagine que tu l'as fait en chemin parce que bon, vous avez voyagé presque une journée entière. Oui. Ok, je vous passe le soir. Il y aura seul le lavé. Ouais. Et je vais aux toilettes pour la troisième fois. Et deux, trois. Mais en fait, arrête d'aller aux chiottes parce que quand tu vas, après, j'ai envie. C'est comme le bâillement, sauf que c'est le chiottement. Le chiottement. Qu'est-ce qu'il y a? La mange. En même temps, c'est l'heure du goûter. Oui, je vais aller me chercher un truc à part. Vas-y. Quoi? Il s'est stoppé. Qui s'est stoppé? Ah, mais j'en veux plus de ce chat. Qu'est-ce qu'il fait? Et Grugal qui se léchait. Et Ruru a ouvert le frigo et là il a stoppé tout mouvement pour fixer le frigo. Le frigo. Hein? Le paquet de cookies. Ah bah encore mieux. Ah bah il va pas tarder à arriver alors. Il veut manger les cookies. Prends la tête. Les yeux exorbités. Alors. Le qui est pas là.
Il est parti chercher son goûter. Vas-y, secoue. Pardon ? Secoue le paquet. Pas compris. Secoue le paquet ! C'est le gros qui arrive. Oui, mais je voulais juste sa tête de teuteux. Et je disais, Lucky est parti chercher un goûter. Voilà. Oh, cette tronche. Ça me laisse le temps de faire l'affiche pour Nivalis. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas qu'on le prenne. Oh non, c'était comme ça. Il est BG. Ouais, il est trop beau gosse. Dommage que je sois pas une biche. Et que je sois pas une pute aussi. Enfin, une pute. Tout de suite. Frivole. Oh, hydromel, je vais te goumer. Miaou. Le chat fait miaou. Loupi ça... fait ferme ta gueule. Le chien fait Edward. Ah. Ah, bonheur. Voilà. Très bien. Je ne cautionne pas cette blague, c'est immonde. Ah, j'adore cette blague. Je la trouve très bien parce que j'ai pas regardé le truc, donc ça ne me choque pas. Magnifique, moi j'adore. Bon, il en met du temps, Lucky, à aller chercher des cookies, là, je sais pas quoi. Ouais. Hop là, je suis allé me chercher. Ça s'appelle déjà. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle pas. D'accord. Bon, on y va ? Ouais. Let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Hein ? La 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 la. La 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 la. Alors. Les cookies, c'est bon. Lumière. Aziz, hein? Lumière. Oh, lumière. Ah, putain, lumière, oui. Bah, lumière. Ouais, pas de lumière. Bah, beaucoup de lumière. Non, mais je veux beaucoup de lumière, moi. Ben. Ok. Ok, quoi? Juste que je regarde un truc. Ok. Donc. Vous aurez été rejoint le lendemain matin. Est-ce que j'ai passé le jour ? Oui, j'y avais passé. Vous aurez été rejoint le lendemain matin par Eva. Et du coup, Nivalis et Ludon qui voulaient faire le voyage avec vous. Mmh. Mmh. Mange. Ah, Oscar. Prends, voilà, prends bien le temps de parler pendant que tu manges. Ok. Près du micro de préférence. Okay. Arrête. Du coup, j'espère juste qu'il n'y a pas une sorte de rivalité entre Eva et Nivalis. Bah, pourquoi ? Ils se ressemblent en plus. Ouais, effectivement. Alors. Disons que Nivalis aurait été très entrepreneur et Eva lui aura envoyé chier, forcément. Du moins dans les premières secondes. Oh non, ils vont baiser. Oh non, il reste distant. Eva qui ouvre la marche en soi et puis Nivalis qui... Et ma lumière. Qui la ferme. Quoi, ta lumière à toi. Oui, j'ai fait 12. T'avais pas compris. Ouais, bah j'ai bien compris que tu comprends rien. Hein. Oh, t'es chiant, toi. Ah! Ah! Allez, je marche devant avec Eva pour illuminer. Pour faire la lumière. Voilà. Ok.
notre phare dans l'obscurité, notre lumière dans ce monde obscur. Mais il reconnaît cette fleur. Oh non. Et Fizzle va rester un panda. Suivons. Regarde le vieux qui essaye de se coincer entre les deux jeunettes là. Je n'essaye pas, je le fais. Hein. Master Roshi. C'est tortue génial. Mais c'est fini, il est gentil, il a rien fait. Donc, le premier jour, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Respirez, madame. Oui. C'est ce que j'ai mais fait. Encore une queue. Que... c'est l'onomatopée que j'ai faite que du coup a tué le pied, je crois. C'est pas ça. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est trop con. Et il a fait quoi? Et c'est pas nouveau. Non, je sais pas. Je suis en train de vous écouter tout d'un coup. Vas-y, dis! Dis-le avec des mots! Mais je dis pas! Alors, le dis pas! Et même os que devant. Tu vas y arriver, Loupi, respire. Pardon, j'arrive plus à respirer. Respire! J'ai un cookie. Aïe. Ah, il est con. Ça va aller? Oui, oui, je crois que je vais l'écrire parce que là... D'accord. Écris-le. Nous allons peut-être mourir de rire nous aussi. Oh là là. J'ai peur. J'ai peur. Merde. T'imagines tellement bien. Ah putain. C'est bon. Je vous écoute, là j'entends un bonk. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le revoir partir à fond les ballons. Ah putain. Ah, je l'ai déjà vu ça. Ah, il est con ce chat. C'est génial. Pardon. Pardon, mais je... La première journée, soirée, enfin, première soirée du coup, se passera bien. Vous dormirez tranquillement, paisiblement, en fin de journée. Une nouvelle journée se lancera. Hop là, que je regarde bien. Ah, bon, en plus, je dis de la merde sur mes prévisions, donc... Oh, putain, ce chat. Comment tu veux que je me calme si tu mets ça? Deuxième journée... L'ambiance sera un petit peu plus calmée. En tout cas, ils sont quand même assez distants, Eva et Nivalis, en soi. Et à un moment, je vais vous demander un jet de perception. Je vous demande juste un petit instant avant de le faire. Je peux leur demander pourquoi ils ont l'air fâchés. Ah, ils sont pas fâchés. Non, enfin, distants. En soi, t'as même pas besoin de leur demander, c'est juste que Nivali s'était montré très dragueur et entreprenant, et puis elle l'a juste envoyé bouler. Ok. Mais si tu cherches à en savoir plus, c'est juste qu'elle sort tout juste d'une relation.
Juste le soir, j'aurais appris des chants de la Cité del Sol à Eludon. Voilà. Oh non. Ah bah si. À Eludon. Bon. Et ben du coup. Eva aura chanté aussi, c'est marrant. Bah oui. Puis c'est des belles chansons, c'est pas. Perception du coup. Ouais. Il est perçoit. Oh putain, mais c'est jet de perception moi aujourd'hui, mais. Et Ren, il va faire exprès une partie où on n'aura pas à utiliser les cartes. Ouais. Vous voyez le Thunder d'heure. On va utiliser les cartes. Ah, il manque un jet. Golden! Golden! J'allais le faire. J'étais juste en train d'écrire quelque chose. Merde, il y a des torches. Les torches aussi jouent. C'est des changelins. Rie. Bam! Oh la vache! Je vois. C'était Sneasel qui ne verra pas tout de suite. Ouais. Et qui ne participera pas au premier round. En fait, vous. De son œil gauche, il voit pas, de son œil droit, il voit. Alors. Vous entendez du bruit dans les alentours. D'ailleurs, Eva entend également du bruit. Mais elle a pas vraiment le temps de. Enfin, Eva et Nivalis s'entendent également, mais ils ont pas le temps vraiment de vous prévenir que ça vous saute déjà dessus. Fizzle aura pas spécialement tilté tout de suite. Et je vous mets ce qui vous charge. Ah! Alors, ah, c'est bah pas des mantis! C'est bon, la luz de la muerte me protège! Bah ce oui. Sont des ombres, effectivement. Je vois pas pourquoi on panique. On nous avait pas dit qu'elles avaient muté comme ça aujourd'hui, ici. La première fois que j'en vois. C'est affreux. Heureusement que Miss n'est pas là. Hein. Ah oui. Ça aurait été. Il lui donne. Pourquoi? Bah c'est des crocos. C'est pas vraiment des crocos. Ouais, bah, il y a un air. Croco, hein, je trouve qu'il y a un air aussi. Et les pattes aussi. On dirait plutôt des chiens qui ont plus de chair. Non, regarde les pattes. Palmées. Bref. Oh oui. Bon après on s'en fout. C'est dégueulasse. Et lui donne qui va juste s'asseoir et commencer à prier. Ok. Un inutile. Bravo. Bah, je vais faire la même, donc préparez-vous. Hein. faut juste que je vois un truc. Parce que je l'aurais pas mis. Ah, évidemment, tant pis. Nivalis qui, lui. Va pas chercher à comprendre, il va pas chercher midi à 14h, il va balancer un gros tronc dans la gueule de l'un, de celui qui est en face de lui, et se mettre devant Fizzle pour essayer de la protéger, la mettre à couvert. Ah non, donc ça touche, et les dégâts. C'est pas ouf. Machin, il s'est pris un tronc dans la gueule en mode lancé. C'est plus une, c'est plus comme un pic de glace, mais un pic de bois, quoi. C'est pas vraiment un tronc. Ah, c'est dommage. Ça aurait C'est comme un petit épieu, comme une flèche finalement, ouais. Un peu comme une flèche. What? Eh bien, la loose de la merde et tout ça, ok, mais. Mais je sors mon arbalète. Voilà. Pas mettre cette musique. Bien. Il y en a au moins un qui est raisonnable ici. Il sort son arbalète, il a charge, il tire, donc c'est malus de combien? Déjà, je vais me mettre... Double action, donc... Tu m'excuseras, Silver. C'est pas mon bouclier. Silver, le couvert portable. Voilà. Donc combien? Moins 2. Et je tire sur celui qui est en bas, parce qu'il y a Eva en haut. 4. Il touche. Je reroll les damage. C'est mieux. C'est mieux. Tu le... Il a l'air sonné après avoir reçu ta flèche. Ton carreau.
Alors, c'est au tour de celui-là. Qui fonce à toute berzingue sur Nivalis. Ah, mais il y en a un derrière, je l'ai pas vu, putain. Ouais, juste avant, que quoi que ce soit se passe, je pense utiliser le dernier carré pour avoir plus d'emparade et en résistance jusqu'à la pioche du prochain Joker. Ça me semble une bonne idée. Ouais. Ok. Voilà, et ça compte tout. Alors. Et tous les alliés, ok, à 5 mètres, donc, à 10 mètres, pardon. Okay. Donc tout le monde. Tous les alliés dans ce cercle recevront plus 2 en parade et en résistance, c'est ça? C'est ça. J'avais dit qu'on aurait dû prendre un autre guide. Silver, le tank. Alors, du coup, ça va attaquer. Tac. Attendez, bon, c'est pas grave. Ah non, pardon, il est là. Combien de parades le... Ouais. Il aurait été touché une fois sur 3 attaques. En prenant en compte le bonus. Oui. Oui. Je viens de me le rappeler, mais du coup, oui. Les dégâts. Ah, c'était un... Ah ouais, c'était un bon. Ok. Là. Ouf. Et il a, du coup... Ça lui fera une blessure, bien évidemment, en prenant en compte le... prenant en compte le plus 2 en résistance. Il aurait reçu un gros coup de griffe dans l'œil. Ouh. Attends, je vais vous mettre... je vais vous afficher le nombre de... Enfin, les blessures au-dessus de lui, j'ai oublié de faire ça. 3 sur son pauvre œil. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, surtout que ça lag un peu. Eva, ni une ni deux, fonce dans l'art. Mais À sa bonne. Merde. Mais ils ont pas joué, eux deux. Non, parce qu'ils ont leur tour. Ah, ils sont après nous. Ah oui, d'accord. Ce qui vous laisse penser que ce sont des créatures Joker. C'est bien, on l'a pensé en tête. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir leur mettre 3 blessures avant de les mettre à terre. Oh, con. Et t'as aussi techniquement, Galsa, tu peux aussi techniquement utiliser règlement de compte. Non, parce que c'est que sur un round. Et c'est que sur un Joker. C'est des Jokers, et c'est durant la scène. Règlement de compte, pas travail d'équipe. Alors, donc, oui, j'ai bien vu, mais... Elle va toucher. Les dégâts, tu as. Normalement, c'est ça et ça. Oh! Ouais... 18, parfait, ça picote un peu. Qu'elle sera secouée et aura 2 blessures. Je retravaille leur truc pour que vous puissiez voir. Désolé. On en voit. Oui. On voit leurs blessures là. C'est parce que je la remets parce que j'avais pas préparé ça. Voilà.
Non, il a pas de blessure, lui, je suis con. Ah si, 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 attends. Non, 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 il l'avait pas blessé, je suis con. Non, il était juste secoué. Bah, je me suis chié. C'est qui a règlement de compte? C'est moi, Gal. Il semble. Ah non, c'est Gal. Non, c'est Gal. Oh, c'est que je l'ai Silver. Dit. Faut que je le joue sur un ennemi, donc... Le truc, c'est qu'il y en a deux. Enfin, il y a celui-là, là. Oui, bah t'en choisis un, Gal. Il y a celui-là, celui-là. Non, on se charge de celui-là. Ok. Silver va charger. Pose la carte. Oui, oui, oui. Dans tous les cas, tu peux en jouer une autre derrière, donc. La carte, elle est posée, contre l'huile. Donc, plus 2 sur toutes tes attaques pouvant lui infliger des dégâts. Déjà... C'est pour ton père. Mon père. Mon père. Voilà. Il était mort et vous l'avez tué. Avec le fauchon et tout, et il attaque. Vas-y donc. La page perso a du pas la silencer. Elle met un peu long à se charger. Alors, le fauchon, avec un plus 1, vu que c'est mon arme fétiche. Et plus 2, puisque t'as plus 2 sur lui, non? Non, c'est surtout seulement aux dégâts. Ah, pardon, excusez-moi. Donc ça touche. Yes. Plus 2 pour les dégâts. Pardon. Allez! On fait un moment à la Mjolnir. Eh, c'était pas mal. Tu lui infliges une blessure. Bon, bah, on va s'en contenter. Non, c'est Oula. Plus 2 à toutes les attaques, c'est pas plus 2 à tous les dégâts. Ah, c'est plus 2 aux attaques, pas aux dégâts. Non. Mais trompé. Ah, c'est ça. Donc, bon, bah, on garde ça, on verra, on corrigera à la prochaine. Ok. Silver, il a laissé tomber sa lanterne hein, au moment de commencer à courir. Moi, je vais aller à côté aider Ludon. La prière. Je vais me mettre à prier, mais en prime, je dirais que la lumière de la luz de la muerte nous protège et je balancerai un sort de lumière sur lui. Pour l'aveugler, je sais pas quoi, enfin, essayer de faire un truc. Une mauvaise idée. Et donc. Ok. Il fera de la lumière. Non, il fera pas de la lumière. C'est fait pour l'aveugler, là. J'envoie une boule de lumière dans la gueule. Mais c'est ton sort lumière. Oui. Bah, ça fera de la lumière. Mais devant ses yeux, en gros, elle veut l'aveugler. Oui, mais il y a un sort pour ça, normalement. Mmh. Mais de toute façon, vu la créature, ça aura des conséquences. Donc je prends en compte qu'il fait de la lumière. Okay. Mais il y aura des conséquences là-dessus. Okay. Positif pour vous. Mmh, je m'en doute bien. Mais oui, sinon, généralement, si tu veux aveugler, t'as un sort pour oui, ça. Oui, oui, exact. Désolé. Ouais, c'est une utilisation sympathique de tes sorts. Toutefois, je suis débile. Vu que c'était une utilisation, ça aurait pu être comme étant une épreuve. Donc, je vais prendre ton jet, je vais lui faire un jet d'intellect, et ça pourrait le distraire ou le rendre vulnérable. Bah voilà, je suis complètement débile. Donc non, ça lui fera, enfin si, ça fera de la lumière en plus. Mais du coup, faut que je lui fasse un jet. Ok, du coup, vulnérable ou distrait? Bah, il est pas déjà quelque chose vu qu'elle l'a blessé et tout? Bah, il est secoué. Il est secoué. Tu décides si tu veux le rendre vulnérable ou distrait. Est-ce que tu veux bien me répéter encore et Donc, distrait, ça lui mettra moins 2 sur toutes ses actions. Vulnérable, ça fera plus 2 sur toutes les actions contre lui. Distrait, parce qu'il joue après. Donc, distrait. Ouais, ok. Donc, autour de celui qui est face à Silver, qui va tenter de se restabiliser. Là, en plus, regardez la mauvaise fiche. Quel trou de balle je suis. Il se restabilise et va pouvoir attaquer Silver.
Combien de parades, mon cher Silver ? Alors, sachant que je suis à 10... non, attends, 10 ou 11, parce que j'ai blocage plus, le plus 1 de parade de mon arme. Le blocage, normalement, il est censé être compté directement dans ta fiche. Le fauchon, il est compté seulement quand tu portes. Je le porte, bah du coup, ça fait 11. Il touche pas. J'ai encore plus, il y a le bonus du dernier carré. Ouais. Ça fait 13. Le tank! C'est justement sur les jets, hein. C'est pas non plus, ça va pas augmenter la parade, le dernier carré ici. Si, plus de parade oui. Résistance. Ah oui, pardon, le dernier carré, j'ai confondu avec l'autre, une autre carte. Donc, l'autre, il va tenter de se restabiliser. Avec son moins 2, il y arrive. Attaquer Eva, ça va être plus compliqué. Bah, raté. Nouveau tour, on peut intégrer Fizzle. Et vous entendrez des... Mais bordel, c'est quoi ces créatures ? Au secours ! Au secours ! J'ai jamais vu d'ombre comme ça ! Eva et Ivalice. Attendez ! Excusez-moi. Mm-hmm. Je claque un béni pour tirer une autre carte que ce putain de deux, là. Ok. Je vais claquer un béni aussi. Je te l'ai claqué la carte. Tu as un as de cœur ! Voilà ! Je claque un truc aussi parce que j'ai pas envie de finir à 3 non plus. Faire attention à pas piocher un joker. Un 10 de pique, ça sera ici. Nice. Ouais, ça me va, moi, un 10. Du coup, excuse-moi, déjà un pique, c'est parfait. C'est juste Eva et Eva qui va gueuler. Mais c'est quoi ces ombres? On n'en a jamais vu des comme ça. Enfin, j'en sais foutre rien, moi. Ce coup-là. Eh ben, je vais tout en continuant de prier, je balance ma lumière sur lui. Ok, toujours dans un but d'une épreuve. Donc ça sera contre son intérêt. Mmh. Oh, c'est nul. Tu veux relancer ? Oui. C'est mieux. Ouh ! C'est un peu mieux. Oh ! Putain, mais ils font des gros jets, mais jamais, jamais suffisants. Donc, vulnérable ou distrait ? Il joue quand ? Il joue en dernier. Il joue en dernier ? Ouais, et ben. Vulnérable, Silver. Oh putain, il va avoir plus 4 pour le toucher. Vas-y, en attaque totale, plus 6. Ah bah là. Que la lance de la mort me protège. Wood. Bien, je vais faire ce que j'ai fait le tour d'avant. Quoique. J'aurais dû acheter ça au marché, des trucs pour bricoler. Je n'en ai pas, donc du coup, je vais juste charger mon arbalète. Et tirer sur celui-ci dans le même tour. Ok. Si jamais tu tirais sur celui-là, tu aurais eu plus 2. Mais bon, après, il y avait quand même Silver devant, donc tu aurais eu les mêmes malus, mais avec un petit plus 2 quand même. Donc finalement, tu auras juste ton moins 2, parce que là, tu auras un malus avec Eva. Je vais tirer sur celui avec Silver. Tu auras que moins 2 comme ça. J'ai que moins 2 avec Silver. Ouais. Ça touche. Ça fait pas grand chose par contre. Je reroll. Les dégâts. Mais. Ah, l'arbalète. Tu m'as abandonné. Nivalis qui va tenter de se restab. Il y arrive. Et il va lancer un sort sur la bébête. Ok. Donc ça va être un sort de rafale pour le faire sortir, pour le faire dégager. Elle doit faire un jet de force à moins 2. Ok. Et il va. Ouh.
être éjecté jusqu'à là-bas. Ouh. Ah, ça pique. Dégage! Ça pique. Alors, ensuite, celui qui est face à Eva. Se restabiliser, oui. Il était distrait, et... hein. Il l'est plus, il a... Attends, si. S'il l'est encore, jusqu'à la fin de son prochain... à la fin de ce tour-là. Donc, il va attaquer. Raté. Il n'est plus distrait. Lui, il va refoncer du coup directement sur Nivalis. Oh merde. Oh merde. Ça risque de piquer un peu. Il fait des bons sur... Il a fait un bon sur lui et une autre attaque. Du coup, les dégâts... Les dégâts, mon cher Nivalis, tu risques de prendre. Donc, la première qui va... Qui va... Ouf! Un béni, peut-être. Allez, un petit béni. Si on va utiliser un petit béni, ça serait bien. S'il meurt, okay. Je m'en voudrais pour toujours. Il a 3 blessures, mais il a pas pris les dagas encore de la dernière attaque. Oh. Mais le fais pas mourir. Non, encore de la mort. D'ailleurs, j'ai oublié. Hop, et bien, ok. Et bah, il va me faire un autre jet de vigueur. Hein. Non, attends. Hein, attends, on a des cartes. T'as compté le jet de. Et raflure. Oui, on non, lance... mais il a pris de gros dégâts. On lance une raflure. Oui. C'est pas un extra. Merde. Non. C'est pas un extra. C'est qui a Eraflure? C'est Golden. Attends. Tous les extras alliés, c'est pas un extra. Merci. Et lui donne en éteint. Donc. Attends. Quoi? On regarde les cartes. Écoute. Tu sais quoi? Hein? Je prends Noble Sacrifice. Comme ça, je prends tous ces dégâts. Et après, je prends, si Gals me le permet, Second Souffle. Comme ça, yes. Je récupère de 2 blessures. Yes! Après, je suis pas assez proche pour faire Noble Sacrifice, moi, je pense. Non, mais c'est Loupi qui veut faire Noble Sacrifice. Non, faut que tu me donnes la carte. Non mais oui. Il l'a pas. Alors... La carte Second Souffle. Attends, vas-y. Bah pose-la juste. Yop. Sur Loupi. Noble Sacrifice, Second Souffle. Ça me va. Du coup. T'as combien de résistance? Alors là, on va rigoler. Et pas le plus 2. J'ai 7. Avec le plus 2 de machin carré là. 7, d'accord. Donc du coup, la première attaque, ça te fera 3 blessures. La deuxième attaque te mettra par terre. Donc tu utiliseras le noble sacrifice. Tu seras donc à 1 blessure. Je te mets ici en ayant poussé Nivalis. Tu as 1 blessure. Je te l'ai ajouté directement. Et tu peux tirer sur la table des blessures pour voir où est-ce que ça t'a touché. Quelle femme. Quelle femme. Déchirure. Je m'en fous. Quel sauvetage. Du coup, ça me fait quoi, un moins 2 sur mon Edge Force? Non, ça te baisse ton dé. Oui, s'il est à D4, c'est pas grave. On s'en fout. Ah, d'accord. Ça fait rien. Bah, je relance alors, c'est pas juste. Non, c'est bon, ça fait rien. Ouais, c'est. Ok. T'as une bonne déchirure à la patte. Non, mais moi, ça va. Et tu es secoué, bien évidemment. Oui, bah, tu m'étonnes. Mais ça va, la loose me protège. Ah bah pour le coup, en fait tu vas pousser légèrement Nivalis, tu t'es pris un sacré coup, et tu es toujours debout, il est à te regarder genre « What ?» Mais c'est, les gens meurent avec ça normalement. Mais je suis pas un Jean. Je suis une scoula. Je ne suis pas n'importe qui. Alors lui, s'il l'a vu,
Là. Oh. Et Wood aussi. Il va être encore plus endoctriné. Aïe aïe, la secte. La secte gagne des membres. Silver. Ah ouais. Et tu tapes. Ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Oh, tu as plus 4 pour le toucher si tu veux. Allez, une attaque totale pour avoir un petit plus 6. Allez. Oh. Oh. Allez. Et du coup, j'ai plus combien pour les dégâts? Plus 2. Oh. Allez, à l'attaque. Ça picote un peu, hein. Alors, du coup, c'est ok, ça fait ça, je retire ça, ça fait... Oh, ok, ça lui fait une blessure. Attends. Non, attends, j'ai peur de mal calculer, je vais utiliser la calculette. Ah, pardon, ça fait 2 blessures. À terre. Ah, toujours debout. Juste 3 blessures, faut lui en mettre 4. Hein. Oui, non mais... Il est bientôt à terre. Ouais. Fizzle. Et donc du coup, ouais, Silver, tu es vulnérable. Ok. Alors, j'ai réfléchi à mon tour, et j'aimerais faire... bon, Nivalis a déjà agi, mais j'aimerais quand même faire un truc qu'on appelle... très rarement une triple action. Les moins 4 sur tous les jets. Alors, ce que j'aimerais faire, tout d'abord, c'est utiliser en même temps mon invocation et mon illusion pour invoquer une bestiole autour, mais faire croire à la bestiole qu'elle est complètement encerclée. Qu'elle est complètement encerclée par mes invocations. Hein ? Et ma troisième action, ce sera de soigner ce coup-là. Non. Ou soigner Nivalis. Tu viens pas me soigner avec ton moins 3, toi. D'ailleurs, et soigner Nivalis. Mais, pour m'aider avec ça, parce que j'ai moins 4 à tous mes jets, je vais claquer la carte Inspiration pour me donner plus 2 à tous mes jets, à tous les jets de... tous les jets de traits pendant le restant du round. Bon, ça le donne à tous les personnages joueurs. Donc techniquement c'est comme ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire un peu avant. Le donner avant, comme ça il aurait eu plus 8 le Silver. Oui mais faire avoir un plus 8 sur un GA20, oui bon. Bah, il aura peut-être pu se dire tiens je vais viser la tête avec tous ces bonus que j'ai. C'est pas grave. Bouh, le qui bouh. Bouh. Bref. Donc je veux soigner. Donc j'utilise la carte. Inspiration et je claque un point de conviction. Oh putain. Comme ça j'ai pas moins 4, j'ai moins 2 et j'ai un D6 en plus. Ok. Moins 2 pour tous les jets ou juste pour un? Il aura moins 2 sur tous les jets parce que tous les joueurs jusqu'à la fin du round, c'est ça? Ouais. Auront plus 2 sur tous leurs jets de traits. Je peux pas étendre ça avec un béni, non? Seulement la pointe conviction. Ok. Alors, premier sort. Ah, moins 2. Avec tous les bonus de dégâts. Et lance le D6 en plus, quand même. Ouais. Donc, 11. Ouais, donc 11. Donc ça invoque une bestiole. En même temps... Je vais lancer le brassard d'illusion. Bon, lance pas le D6, bon, d'accord. Et le cristal de... Et le soin pour soigner ce coup-là. J'en étais sûr. Non, c'est même pas du naturel. C'est pas un fumble. Mais ça donne un plus 8, donc ça te soigne de blessure. Ok, donc maintenant ma bestiole. On te garde du corps. Alors je vais lui mettre un petit. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais lui mettre un petit cœur pour lui dire que c'est lui le vrai.
Ouais, et je vais en mettre d'autres. Je m'en occupe, je m'en occupe. Ok. Mais des fonds. Voilà. Et là, en fait, d'un seul coup, on entend... Et... T'as fait combien sur ton illusion ? Je vais prendre en compte que c'est une épreuve, tant qu'à faire. Illusion, j'ai fait... 17. C'est vrai que j'ai oublié de mettre le... J'ai pas mis le truc puissant. Bon. Et on peut faire un jet sur la table du combat créatif. Ok. Mais Elle sera secouée. Et en plus d'être distraite ou vulnérable. En plus d'être distraite ou vulnérable. Vulnérable, c'est on a tous plus 2, c'est ça ? Ouais. Elle va agir après ? Non. Je vais mettre. Je vais la mettre vulnérable. Parce que mon loup va attaquer ensuite. Ok. Donc justement, en parlant de mon loup, il va attaquer. Techniquement, tous les loups vont attaquer en sauvage. Mais il n'y en a qu'un seul qui sera pris en compte. Oui, donc... oui mais pour l'illusion, ils attaquent tous en sauvage. Donc, plus 2. Ça touche. Si. Attends. Ah, t'as mis le plus 2 déjà, ouais. Non, j'ai mis le plus 2 juste du sauvage. J'ai pas mis le plus 2 de... Bah du coup, là, ça touche. Parfait. Bah du coup, je vais relever ses dégâts. Plus 2 dégâts aussi. Un petit 10 de dégâts. Et une petite blessure. Parfait. Eva, donner un coup de poing. Ça touche. Et les dégâts. Ça va secouer la babette. En face de Silver, on va se tenter de se restab. Ne pas y arriver. Nouveau tour. Ah non, Elon. Bah, Elon prie. Elon, putain. Et lui donne ouais, masque. Son nom s'appelle Elon maintenant. Il s'appelle Elon. Il s'appelle Elon. Et lui donne masque. Ah, tu n'as plus ton effet, Sizzel. Nous n'avons plus d'effet. Oh merde, et celui qui a le Joker, c'est celui qui est en face de nous. Ça, ils sont deux à avoir Joker, j'avais pas vu. Ah bah, il y a Loopy qui en a un aussi, Joker. Je vais claquer un beignet pour continuer ma conviction. Okay. Ah, moi, est-ce qu'il faut que je fasse ça au début de mon tour à moi ? Pareil, ce sera pareil. Du coup, la bébête. La bébête va tenter de se restab et y arriver. Maintenant qui elle va frapper. Ça dépend parce que je vais prendre ça en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je vais lancer un des 10. Alors, on va compter que tu es le 1 et que le vrai loup est le 2. C'est un 4, ça va frapper une des. Ça va tenter de frapper. Ah bah attends, ça peut frapper plusieurs trucs donc. Alors donc, 1, 2 et 3. Il y aura 3 illusions qui sera frappées. Et ce que je vais faire, c'est... Ouais, non, en fait, ça va juste frapper. Il va frapper 3 illusions différentes. Oui. Ce coup-là ? Oui. C'est moi. Oui. Moi, je vais faire le jet d'âme pour me dessecouer. Pour commencer, ça peut être bien. Je t'ai retiré ta blessure. Easy. Et qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si un jet de terreur ça marcherait sur ce truc, je pense pas. Non, mais je vais continuer ma merde, c'est-à-dire faire de la lumière. Non, mais c'est très bien. Hein. Fais de la lumière en vrai. Ouais, je fais ça. Non, mais en fait, tout là, c'est un light show en fait. C'est le truc de néon.
Sula, en fait, ce qu'elle fait, c'est... Elle sort un lion, c'est... Elle est... Par contre, lui, il devait briller aussi. Je le vois pas briller. Ah, pardon. Je voulais juste briller. On est dans une discothèque et ce coup-là, c'est la personne qui ramène un néon blanc. Un néon blanc, tu sais, qui te détruit les yeux après le noir de la discothèque, tu sais. En mode, ah, mon Dieu, dommage, ça brûle. Ok, vulnérable ou distrait ? Distrait. Il sera distrait. Wood ! Eh bien, je vais sûrement faire pareil. Déjà là, c'est le bordel, à gauche. Donc là, il va se déplacer un petit peu. Je prends un risque, je sais, mais c'est pour pas avoir le malus. Et tirer sur la bestiole de Sylvure. Ok, il me semble qu'elle est encore vulnérable, je suis pas sûr. Elle était vulnérable, oui. Ouais, elle est encore vulnérable, donc du coup t'auras pas de malus pour la toucher. Oui. C'est un bug. 8 plus 7, c'est pas juste. Ça fait 23. Bah ok, bah écoute, vas-y, fais les dégâts. Ça va être de la merde, je le sens. Qu'est-ce que je disais? 6. Je t'offre une relance gratos. Mais pourquoi une relance gratos? Parce que je suis gentil. Ah bah c'est mieux. Oh, 8 et 8. Ça fait 16. Maman, je sais compter. 8 et 8. Le carreau ira se loger dans sa tête et il commencera à dégouliner, à fondre sur lui-même avant de devenir une grosse flasque noire. Une grosse flaque noire. T'avais pas dit que la lumière ça ferait un truc ? Bah en fait c'était mon idée à la base. Ah t'as changé. Mais j'ai changé sur le coup de... Bah, c'est, en fait ça serait, c'est beaucoup mieux de mettre de faire en tant qu'épreuve. Ok. Déçu. Mais en soi, techniquement, sinon, je comptais leur réduire leur résistance. Mm-hmm. Mais pour le coup, comme le fait de le jouer en épreuve, c'est pas con non plus. Alors, celui-ci... Mais attends, l'épreuve, ça veut dire que c'est ça qui détermine s'ils sont vulnérables ou distraits, c'est ça ? Oui. Ah, ok. Oui, bah, c'est bien. En gros, une épreuve, c'est comme une sorte de ruse. Tu utilises quelque chose, genre, bah tiens, je vais essayer de faire une feinte avec mon épée, je vais essayer de mettre de la lumière devant lui, faire wouh, montrer mon cul, le déconcentrer. En gros, essayer de le déconcentrer. Du coup, ouais, il s'est restabilisé celui-là, il va attaquer Eva. Et j'étais beaucoup trop gentil avec parce que j'avais oublié qu'il s'attaquait trois fois. Alors, Eva, combien de... Touché. Ok, donc un touché avec prouesse. Commencer par celui-là. Oh, 17, ça fait 2 blessures. Pique. Bah ça fait que le jet de vigueur, comme j'en ai fait un tout à l'heure à l'autre, encaissera deux blessures, sera, bah du coup, ça bougera pas, mais hop, une bonne fracture, ça picote. Elle a pris un sale coup de la bestiole. Et elle va commencer à jurer, espèce d'enfoiré. Alors, lui donne un gros coup en total. Ça touche. C'est comme ces dégâts de merde là, Eva. Ça touche, mais ça fait pas grand chose. Enfoiré, putain!
Et elle le frappe avec une peluche qui fait mim. Et peluche de Queen. Avec un coussin, tu peux exploser un manticore. Ah bah oui. Il se recule et va viser la bestiole qui est sur Eva. Loupé parce que déjà un œil en moins, c'est pas. Quoique, non, il a pas trop de problèmes avec la distance, c'est surtout avec le couvert qui a eu du mal. Donc, raté. Pizzle. Fizzle. Eva, là, elle est pas au sol, là, non? Non. Elle a. Deux blessures. Deux blessures. Je suis toujours sous l'effet de mon point conviction parce que j'ai claqué un beignet. Je vais tenter de. Je vais à nouveau faire une double action. Faut en profiter. Je vais me rapprocher de lui pour lui faire un choc. Et soigner Eva. Donc, je me rapproche. Et je dis à Nivalis, occupe-toi de l'autre, ici, on s'en charge. Dac, donc. D'abord, essayer de le choquer en mettant. Non, il n'y a pas de. Juste malus de moins 2. Ouais! Bon. Mais ça en plus. Voilà, donc il résiste avec vigueur moins 2. Ok, mais il aura résisté au choc. Et je vais tenter de soigner Eva. Ça marche bien. Pour une fois, je suis contente de ton soin. Et mes bestioles vont l'attaquer. Vont attaquer toujours l'autre en total. Vas-y. Roté. Hop. Et bon, aussi, si c'est possible, qu'elle tourne. Elle tourne pour. Oui, ok. Elle lui tourne autour pour confondre un peu. Donc elle lui donne prix. Que la loose de la muerte nous protège, que la loose de la muerte nous protège, que la loose de la muerte nous protège, que la loose de Silver. Alors, je vais essayer d'aller au contact de celui-là. T'as vu bouger ce coup-là? Bah oui, je lui fais de la place. Bah, il y a de la place, ouais. Il peut passer à travers les illusions. Silver, il arrive, il balance un grand coup d'épaule dans l'illusion en mode dégage! Bah, il passe juste à travers. Laissez-les-moi! Je peux faire en sorte que l'illusion se décale au moment où il la pousse. X des Romains! Blam! Et il va frapper en même temps. L'illusion se décale au moment où il passe à travers. Au moment où il la pousse. Tu te concentres sur beaucoup trop de choses. Désolé. Je frappe. Bon, l'affiche. Est-ce que tu pourrais arrêter de bugger, s'il te plaît? Merci. Avec le fauchon. Avec un plus 1. Plus 1. Hey, ça touche. Yes. D'ailleurs, il y avait un autre plus 1 parce qu'il y avait un toutou. Non. Est-ce que j'ai des modificateurs de dégâts? Eh hey, mais attends. Non. J'ai oublié. J'en ai un joker. Et mon béni. Ouh. Ah là là. Pardon, regarde. Tu nous l'avais oublié. Non, mais non, je dis... Ah là 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 là. Sérieusement, mais... le béni qui n'a pas été donné. Honte. Vas-y, fais des dégâts, toi. Et il y a plus 1 aussi, parce que moi, je suis dessus. Hein. Enfin... Oui, c'est ce que je voulais dire avant que tu me coupes. Pardon. Alors, on rappelle, on mélange. Et on redistribue.
Ça lui a rien fait, l'attaque que j'ai fait? Ça l'a secoué. Ah bon? Bon, c'est déjà pas mal. Mais il était pas vulnérable? Enfin, distrait, oui, bah, ça... oui, mais il était secoué. Voilà. Enfin, là, ça l'a secoué. Ok. Stop. Ni... Claque un béni pour tirer une autre... Ça valait le coup! Ok, je te tire une carte. Un as? Ah non, un roi. Un roi. Un roi de cœur est toujours en première. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais partir. Donc ça lui fait une attaque d'opportunité. Non, il est secoué. Je vais aller soigner Nini. Nini! Voilà. Et du coup, l'illusion que j'ai écrasée peut passer à la place de ce coup-là. Bah, ça sera Fizzle de la déplacer. Mais c'était une remarque comme quoi ça pourra le possible. Voilà. C'est quand même le premier combat où Silver n'est pas parti en berserk. Hein. Je tiens à le signaler. C'est pas encore fait attaquer. Si. Si, bah, si, il y a eu la triple attaque qui a fait rien. Bah oui, c'est vrai. Alors, le Nivalis qui va, du coup, se mettre ici et relancer un sort, ça touche. Donc les dégâts, c'est pas ça. Lui se restabilise. Je vais lui faire faire un petit jet d'intellect. Parce que bon, il a vu que il y a des loulous qui passent à travers. Hmm, mais on me prend pour des cons. Silver, tu vas te prendre 3 attaques. Yes. Tu m'as dit que tu n'étais pas pris de dégâts, on va... 11. Du coup, ça me fait 11 de parade. 11 de parade. Ouh. Alors. Il y en a un qui va toucher. Yes. Il n'y en a qu'un seul qui va toucher. Yes. J'ai 8 de parade. Eh bah, ben, tu seras secoué. Ça me fait pas de dégâts. Tu seras secoué, ça te fait 9 de dégâts. D'accord. Ah. Et donc, le jet d'intellect pour partir en rage. Ah non, mais attends, j'ai confondu un truc. Mmh. Je t'ai dit la résistance au lieu de la parade. Quel truc. Ouais, mais c'est la résistance qu'il faut prendre. Moi, j'avais compris là que c'était la résistance que tu voulais prendre en compte. Non, mais au tout début, que tu me dis combien de parades. J'étais mis en parade. Ah bah oui, bah dans ce cas-là, il y en a une deuxième qui touche. Et la première, celle que donc t'as 11 en résistance. Donc du coup, il y a un autre jet. Pardon, il y a celle que j'étais en train de te faire est en prouesse, qui veut dire. Ouais. Donc 9, 10, 11, 12 dégâts. Donc secoué. Et du coup, la deuxième attaque. 10. Donc du coup, ça va. De toute façon, il y a des chances que tu sois enragé. Donc, le jet d'intellect. Ça va. J'avais vu que le 2. Ça aurait été bien, hein, de passer en truc, mais bon, c'est pas grave. On reste secoué. Alors. Et là, je me sens plus, je fonce avec ma dague. Ah, tu feras peut-être plus de dégâts qu'avec ton arbalète. Hein. On sait jamais, et là le PP a une révélation, il est trop doué à la dague. Touché dans son orgueil. Il va faire une attaque totale avec sa dague. Ok, tu as plus 1 parce qu'il y a Eva aussi. T'as plus 3. Plus 3, du coup? Comment ça? Ouais. Ah oui, avec la totale. Ça touche. C'est bien parce qu'il y a Eva à côté. Techniquement, j'ai fait un peu plus qu'avec mon arbalète, sauf quand c'est une relance. Est-ce que je relance? Pourquoi est-ce pas, que je prends des je relance et je fais ma conviction Bah vas-y, hein, je te plaise. Bon, allez. Je prends la conviction avec les dégâts, ouais. Bah, limite, au lieu de relancer avec les dégâts, je peux te dire de prendre la conviction, tu peux la prendre et rajouter le D6. Et tu verras après pour la relance ou pas. Ok. Vous avez vu ce qu'on leur a mis? Que je lui ai mis.
Ça fait 14 de dégâts. Ça fait 14 qui lui fait une blessure. Voilà. C'est tout pour moi. C'est bon, le vieux a joué sa vie. Hein, alors. Et one shot. Silver. Ça aurait été drôle. Bah, on va attaquer. Tu vas te dessecouer surtout. Ah oui. Et il faut que je fasse déjà quoi comme j'ai. Tu cliques sur récupérer. Ok. Bah, dès que ma page est récupérée. Dommage. Est-ce que je peux relancer? Tu peux relancer. Non, tu ne relances pas. Tu peux utiliser un béni pour te restabiliser immédiatement. Bon, oh, bah voilà. Utilise un béni. Le banni. Et ça me supprime pas. Alors, du coup, tac. Et je l'attaque en attaque totale, tiens. Ça fait plus combien? Plus 2 au toucher, plus 2 au dégâts. Et tu as plus 1 encore parce qu'il y a le toutou qui aide. Oui, donc du coup, je suis en plus 4. Vu que j'ai l'arme fétiche. Ouais. Les dégâts. Et dégâts, ça fait plus 3. Plus 2 aux dégâts. Plus 2 ça, le toutou compte pas? Non, non. Il compte qu'au toucher. C'est un peu nul. Tu le secoues. T'as pas attaqué en total? Bah si. J'ai mis plus 2. Ah, ok. C'est 2, plus 4, plus 2. Oups. Si. Ok, que la dose de la muerte nous protège. Le gros. Cela dit, je suis pas peux... gros. Hein? Je peux te proposer quelque chose. Je connais une banque. si tu veux, vu que et Ludon a vu ce que je faisais moi, il pourrait s'en inspirer. Et faire autre ouais, mais il connaît pas de sort de lumière. Ouais, mais je sais pas. Et il improvise. Bah, tu sais quoi? Il va prendre la lanterne ici et la secouer. Genre, hey, oh, ça peut être, ça peut le distraire, on sait jamais. Genre, oh mon dieu, je ne m'attendais pas à ça. La créature qui, du coup, est Ashton. Ça ne fera absolument rien. Mais il aura essayé. C'est l'intention qui compte. La bestiole, donc, du coup, elle se restabilise. Alors... qui va-t-elle attaquer le Vioc ou Eva? Sachant qu'il y a trois attaques en bas. La question se pose que sur le Vioc. Bah oui. C'est ça que je m'attendais. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Elle aurait pu répartir ses attaques, mais elle a décidé de... Qu'est-ce que tu viens de faire, Conan? Combien de parades? Deux. Pas assez. Combien? On répond. Cinq. Bah, je suis en train de relever ma fiche. Ouais, te touchera que deux fois. 6 de résistance. Alors, donc deux fois, dont une avec prouesse. Alors, maintenant, hop. On va commencer par celle qui fait pas de prouesse. 11 de dégâts. Donc une blessure escouée. Et celle qui est censée faire le plus mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16 et 17. Tu es mort. Bah, voilà. Bah, tu peux encaisser avec tes... avec ton béni. C'est ce que je vais essayer de faire. Bam, il n'y a plus de créature. Oublie pas que... T'as déjà pris une blessure... Ah! T'as déjà pris une blessure de la première, et donc la deuxième, t'es censé te faire 3 blessures. Oublie pas que t'as aussi la carte coup gagnant. Vous avez utilisé toutes vos limites de cartes, il me semble. Non, moi j'ai pas utilisé de cartes, justement. Moi, on a pas utilisé. Ah, pardon. J'en ai utilisé qu'une seule, moi. Pardon, j'ai mal calculé. Voilà. Je vais pas prendre le risque de me dire non, je veux faire mieux que réussite avec une seule prouesse. Voilà, coup gagnant, réussite avec prouesse.
Ok, tu encaisseras deux blessures, ce qui fait que tu seras qu'à deux blessures. Toutefois, tu vas tirer deux fois sur la table des blessures. Ouf. La loose et la muerte n'a pas si protégé que ça. Ah bah si, mais un peu quand même. Elle m'a fait sortir une carte. Un peu quand même. Un poquito. Un poquito. Bah, si elle l'a protégé, il aurait dû mourir. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Ça compte. Ça compte. Ok. Mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Mais papy, t'es tétraplégique. Eva, tu es mauvaise. Voilà. Fizzle. Déjà, je vais claquer un dernier béni pour garder mon point de conviction. Le papy, il vient de se prendre deux blessures. Ouais. Bah écoute, je vais... À nouveau, toujours avec mes doubles actions. Soigner Mood. Et tirer sur la bestiole. Vas-y. Alors d'abord le soin. À moins 2. Est-ce que j'ai assez de mana? J'ai complètement assez de mana. Plus... Soigner une blessure, donc ça en soignera non. Deux. Parce que... Voilà. Tu récupères de tes deux blessures, mon cher Wood. Ah. Et ensuite, un... Je vole. Un éclair magique sur la gueule de lui. Vas-y. Après m'avoir soigné. Ouais. Vu là où tu es, tu as aussi un malus de moins 2 avec les deux qui gênent. Un peu lavé. Ok. Donc un total de moins 4. Je vais caler full dégâts. Ouais, il y a un modificateur de dégâts, ouais. C'est ça. Je vais caler un modificateur de dégâts. Ouais, tu pouvais toujours te décaler, hein, mais bon. Mais ça va très bien. Lance pas le D6, hein, c'est bon. Pour la forme. Vas-y, roll damage. Ouais, juste que je change les dégâts pour 3D6. Okay. Du coup, c'est 4D6. Non, 3D6. Ça... J'ai un peu fait un 14. Ouais, mais... Enfin, 21. Bah, 3D6 plus j'ai... le... Et j'ai plus dit que j'utilisais Joker, le oui. modificateur de dégâts. J'ai dit que j'utilisais le modificateur de dégâts. Ouais, alors, donc 3 et le dé de Joker, donc voilà. Un 14 dégâts, bah ça finira par pareil, le bon. C'est juste que tu utilises pas le roll damage habituel qui est fourni avec la fille. Oui, donc... ouais, je sais, parce que j'ai lancé le truc avant de modifier les dégâts. Nouveau tour. Ça va aller. Crois. Je sens plus mes jambes. Ah pardon, j'ai oublié de dire, ma bestiole elle attaque toujours. Je dois faire un jet pour me dessecouer ou... Te dessecouer, oui. Et fais attaquer ta bestiole, ça rate. Ça rate, ok. La bestiole va toujours attaquer le silver. Ah là c'est palpable. C'est palpable, on peut attaquer. Ah, donc tu m'avais dit 8 en parade, c'est ça? Oui. Deux touchés, dont une avec prouesse. Ah ah, la blessure. Alors, on commence avec celle qui est en prouesse. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Avec 11 de parade. 11 de résistance, pardon. Tu es secoué. La secouage. 8, 9, 10. Putain, mais elle fait pas suffisamment de dégâts à chaque fois. Et l'autre, bah, du coup, ça passera outre. Ah, par contre, tu dois refaire un jet d'intellect. Et tu es enragé. Ah, saloperie, putain. Tu nous as fait sursauter Nivalis et Ludon et Eva. Fait qu'il y a une gueule, lui. Fizzle. Fizzle va maintenant se concentrer sur l'autre camp. Je vais pas redépenser. Est-ce que je redépense? Si, allez, je vais dépenser mon dernier méni. Pour garder mon point de conviction.
Le point de conviction qui aura duré 4 éclairs. Et là, tu nous fais 3 éclairs sur, sur la bestiole. Attends, la bestiole, là, elle est quoi? Elle est juste... elle est pas secouée, elle est ni rien. Elle n'est plus secouée, non. Elle est en pleine forme. Ok. Ben, je vais faire une... En plus, ok. Je vais faire une double action. Je vais faire un choc sur sa gueule, ainsi que un éclair. Ok. Un éclair boosté. Donc à moins 2. Et je vais me rapprocher aussi. Moins 2 plus 1 des 6. Donc ça marche. Il faut juste qu'il il protège. Alors, sachant qu'il sera distrait, du coup... Bon, il va voler, ça c'est clair. Lance de destin. Il est juste sonné. C'est ah non, c'est ta rafale sonné. De vent, c'est ton choc, oui. Non, bah, le choc, oui, bah, il sera pas sonné. D'accord. Juste que t'as mis rafale de vent, j'ai un peu de mal. Ah oui, sort choc. Oui, pardon, bon. il faudra que je modifie le nom. Et ensuite, tac, tac. 1d6 en plus... Donc j'avais dit que c'était boosté aux dégâts, et normalement, là c'est bon. Voilà. 14, ça lui fait une blessure. Et il avait déjà une blessure, c'est juste que ça se voit pas avec les loups. Et une fois que... Je vais le faire bouger là, et les loups ils vont continuer à attaquer bien sûr. Toujours en total. Vas-y, donc plus 3 au toucher. C'est là que c'est plus 3. Dommage. Les loups, ils ont agi une fois et puis plus rien. Skoula. Bah, quelqu'un est blessé là? Tout le monde est bien. Bah, écoute, juste Silver qui a enragé. Bah, je prie. Tu peux aussi retenir ton tour. Ils ne sont pas pris avec toi. Voilà, je prie. Ils psalmodient avec toi. Quoi? Et lui donne psalmodie avec toi. D'accord. Bah, c'est prier, c'est... Ouais, c'est ça. Vous dites la même chose en même temps. Woodcutter. Je prie. Après, t'es marrant. Bah déjà, je suis ébahi de ne pas être blessé. De ne plus l'être, en tout cas. Mais non, je ne le suis pas, enfin, c'était une illusion. Et je vais me rapprocher, me mettre devant, et refaire un tir d'arbalète. Non, dessouper d'abord. Et je fais un tir d'arbalète, donc. Ok. À combien, moins 2 ? Ouais. C'est marrant cette scène là. Avant ça de tirer un petit peu plus, mais comme c'est des illusions, il y a pas de. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la scène où Lucky se fait agresser par des dizaines de mini dragons, voir tous les tokens ou tout. Sauf que là, c'est nous qui sommes du côté des dragons. Dégoûté. Bah il y a quand même le perse armure, donc peut-être ça peut secouer, je sais pas. On sait jamais. Ah, dommage. Je rêvais. Elle va du coup qui va se retourner et elle va lancer un sort en tapant du sabot, ça va faire un trancherbe. Ça ne vous touchera pas. Ça ne vous touchera pas bien évidemment, donc elle lance trancherbe, ça fait pas suffisamment de dégâts. À moins que si elle fait ça, ça fait à peu près une blessure en plus à la bestiole. Et Nivalis qui... Également va relancer son sort et achever la bestiole. Silver, il continue à frapper comme un sourd à l'endroit où elle était. Hein.
Fizzle se ramène et dit et essaie de calmer Silver. Mais calmez-le, c'est fini. Silver, calme. Tout en calme. Silver, calme-toi. Il va frissonner avant de se calmer. Ouais. Elle va plutôt, ouais. Pour une fois, elle va le pat. Calme-toi, Silver. C'est fini, il te fait du bon travail, mais maintenant, calmos. Ils sont morts. Ouais, c'était du bon boulot. Hein. Quelqu'un est blessé? Je l'étais, mais je ne le suis plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il... Ludon, qui vous avez fait ce qu'on leur a mis? Non, pas rien. Voleur. Et là, Wood qui se retourne dans ça, c'est ma réplique. Et voilà, voleur. Hey, arrêtez de me frapper. C'est le voleur. Pardon. Cette bande de voleurs, quoi. Sylvain récupère. Voleur, vaut rien. Rien qu'un morceau de pain. Je vais quand même faire le tour des gens pour voir s'ils sont pas blessés. Ouais. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, ça va bien. Impeccable. J'ai même pas été blessé cette fois. Il y a Eva qui vous regardera. Vous êtes sûr que vous aviez besoin d'une escorte? Ouais. Au vu de ce qu'on vient de rencontrer, je pense qu'on a bien fait de vous engager. Ouais, mais je voulais dire par là que vous vous débrouillez vachement bien. Merci. Ah, merci, c'est gentil. On n'est jamais trop prudent. Avec deux personnes en moins, ça aurait peut-être tourné différemment. Hein. Certainement. Mm-hmm. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Pareil pour moi. Pareil. C'est des ombres, quoi. Ça, c'est pas censé avoir des formes différentes chacune. Il me semble qu'elles ont toutes des formes spécifiques, mais je pensais pas en voir des comme ça. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Ah, bref, on va pouvoir continuer si tout le monde va bien. Oui. Mm-hmm. Si quelqu'un a encore besoin d'un peu de soin, on est là. Mm-hmm. Moi, non, ça va. Juste un peu la patte qui traîne, mais comparé à ce que je m'attendais à avoir. Et madame, c'était très courageux ce que vous avez fait. De quoi ? Prendre le coup à ma place. Franchement, j'ai cru que vous alliez passer vu la puissance du coup. Vous êtes vraiment. Mais non. Vous êtes... La loose de la mort me protège des ombres, y a pas de problème. Oui, c'est ça, la loose la protège. Bien sûr que c'était un coup qui aurait pu être mortel, mais comme la loose la protège, forcément, ouais. Je me renseignerai un petit peu plus sur ce cas. On peut vous raconter si vous voulez. Pendant le reste du trajet. J'imagine que tu en as déjà parlé. Oui, plus ou moins, mais on peut approfondir le sujet, quoi. Mm. Oh là là. Bon, l'important, c'est que tout le monde va bien. Oui. Précisera Eva. Continuons. Vaut mieux pas traîner ici. S'il y en a trois, peut y en avoir d'autres. Ouais. Allez, en avant. Andale. Le reste du voyage Le reste du voyage se passera convenablement. Vous arriverez à destination à Concordia. Ok, mais est-ce que quelqu'un va emballer quelqu'un? Non. Aucun intérêt. Je pense que je mettrai fin à la session ici. Même pas le papé qui soulève Eva? Et pourquoi ? On touche à Maeva. Pourquoi pas ? Un truc que je venais tout juste de me souvenir, les bestioles que vous avez affrontées, je les avais déjà montrées à Miss et ça allait. Ah ok. Voilà. Mais ça va alors. Et Nivalis essaie même pas de tenter un truc avec un des membres du groupe ? Il tentera rien, il est juste très... Juste, disons, comment dire, très tactile, mais en soi, c'est pas non plus un dragueur. Dommage. À part peut-être pour Eva, mais il aura compris que non. Dès que ça a pas des bois, on peut aller se faire foutre, c'est ça? Ouais. C'est honteux. Eva, elle a pas de bois. Raciste. C'est pas que tu vois ce que je voulais dire. Encore énervé Ruru. C'est spéciste. C'est triste. Un trou, c'est un trou.
Un trou, c'est un trou. Je devrais lancer un autre jet à chaque fois que je crée mes PNJ. En plus de savoir leur sexualité, pour savoir s'ils sont spécistes ou... Enfin, hétérospécistes ou homospécistes. Stormice ? Est-ce que c'est toi ? Un trou est un trou, Stormice ? S'ils sont... S'ils sont ouverts d'esprit ou fermés dans leur... Dans les relations interspécistes. Ou prêts à tout. Homo ou hétérospéciste. En tout cas, je tiens à nous applaudir pour ce combat qu'on a super bien mené. J'avoue. Ouais. J'ai eu le sentiment d'être utile. Bah, franchement, toutes tes distractions, tes vulnérabilités et tout, c'était nickel. C'est ça qui est bien avec ce qu'on n'exploite pas assez encore parce qu'on n'a pas l'habitude, mais avec Adventure Edition, donc SWAD, c'est les épreuves, c'est super sympathique. Et encore, on n'est pas tombé sur suffisamment de combats créatifs, genre vraiment des prouesses pour piocher dans le combat créatif, mais il y a des effets qui sont sympathiques également. Je vais en piocher quelques-uns là. La cible devient vulnérable et distraite. Voilà, secouée. Dispose d'un tour supplémentaire à la fin de son tour. Là, c'est celui qui fait la provocation ou l'épreuve qui, bah, c'est bon, je peux jouer une seconde fois. Cher. Ouais, parce qu'à chaque fois, on tombe sur la cible secouée, c'est cool, mais... Ouais, mais c'est normal, c'est les probabilités, ça. Ouais, je sais. Parce que je crois que saisir l'occasion, normalement, c'est sur 2d6, il faut faire 12, quoi. Mais en tout cas, franchement, on a tous bien agi. Ouais. Les cartes étaient bonnes, en plus. Ouais, les cartes étaient bonnes. Je nous jette des fleurs. Oh. Des fleurs dans la tête. Voilà. Bien, GG tout le monde. Vous êtes bien 19. Hein. Très content que, genre, moi, c'est en train de... Je vois que c'est en train de faire effet les trucs que j'ai pris, genre... Le fait d'avoir blocage, plus l'armure, plus l'arme fétiche, je suis contente de voir que c'est en train de... T'es un gros tank, toi. C'est genre... Voilà, je me mets au milieu du chemin et... je bouge pas. Tu es amour. Une mortadelle. Voilà, en espérant que la session vous aura plu. Oui, je vais mettre fin au... Ça vous abonner, pouce bleu et la cloche. Pouce cloche, personne... activez le bleu. Plus personne n'est là après 4 heures de vidéo, donc c'est pas la peine. N'achetez pas Razer. Allez, salut.